Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live en compagnie de ces belles personnes qui te disent bonjour. Peut-être que toi aussi tu leur diras bonjour dans les commentaires de la vidéo YouTube. Nous sommes actuellement le 28 juillet 2023, il est 20h38 et on se retrouve pour jouer à Five Nights at Freddy's Security Breach, le DLC Ruine qui est sorti il y a 3 jours, mardi, et gratuit. DLC gratuit, moi j'en savais rien, j'étais très étonné, agréablement surpris, c'est cool. J'espère que le DLC rehaussera l'image du jeu que j'ai en tête. Je garde pas forcément un très bon souvenir du jeu. Et même le moment même où je jouais à FNAF 9, à l'époque en live, c'était pas de tout repos. C'était quelque chose quand même, c'était une sacrée expérience. Le jeu était quand même bien buggé, il y avait pas mal de choses que je lui reprochais. Peut-être que ce DLC va tout changer et il va me permettre de me rabibocher avec lui. Bonjour YouTube, installe-toi, mets-toi à l'aise, le jeu va commencer maintenant. YouTube, hein, ce petit message que je dis souvent en début de rediff, si jamais tu es une personne qui ne regarde que les rediffs, bah c'est trop cool, déjà, merci beaucoup. Mais si par hasard tu possèdes un compte Amazon Prime, n'hésite pas à venir t'abonner avec ton compte Amazon Prime sur ma chaîne Twitch, même si tu viens jamais voir les lives, fais-le de temps en temps, une fois par mois, ça serait génial, parce que ça me soutient financièrement et c'est trop cool de ta part. YouTube, je te fais des bisous, je vais lancer le jeu. Et je reprends la rediff dans quelques instants. A tout de suite, YouTube. La rediff est relancée. Bonjour, cher rediff. Nous jouons en ruine. On doit trouver Grégory. Ah, mais il y a un mode de jeu et on me demande de cliquer dessus. Et Grégory est perdu. Il faut le retrouver. Grégory, c'était le garçon qu'on jouait dans le jeu de base. Donc on va jouer quelqu'un d'autre. On n'est pas à l'abri que là, quand le jeu se lance, ça bug de ouf. Et qu'il faille tout changer. Grégory est piégé dans le pizzaplex. Vous êtes la seule personne à pouvoir le sauver. Excusez-nous pour le désordre, le méga pizzaplex de Freddy. Ah! Oh, mais ça a l'air d'être fluide en vrai. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Le chat, je vous charge de me dire si jamais le son est trop fort et trop faible. Et je le changerai quand j'aurai accès au contrôle du personnage et donc que j'aurai accès aux options du jeu. Donc on a une petite fille qui. On sait pas d'où elle sort. Grégory? Grégory? Tu es là? J'ai reçu ton message! C'est moi qui joue là? Ah mais parfait, ça joue à la manette. Ouh, c'est super fluide chez moi. Et vous? Bah, c'est formidable, mais tout se passe bien. Mais c'est trop bien. Donc c'est exactement de là où on l'a vu sortir. Elle est sortie d'où alors? Sans déconner. Il y a une espèce de plateforme. Ok, elle est venue de l'extérieur, d'accord. Ah oui, on paraît tout petit. Je me souvenais pas qu'avec Grégory j'avais cette sensation de... d'être bien petit en taille. Oui, on descend. Alors, c'est votre moment pour me dire, ouais, le son parfait. C'est très lumineux. Effectivement, moi aussi, je trouve que c'est très lumineux. Je comprends pas. Pourquoi on se vient à l'endroit s'il n'est pas? Oh, mais tout a été abandonné. C'est quoi ça? Si je prends de la hauteur, je verrai mieux. C'est là où on a joué. Le jeu de base se jouait ici. Putain, vous trouvez vraiment qu'il est court, là? Par contre, j'ai juste abusé un peu sur la sensibilité de la manette. J'avoue que c'est à peine un peu trop... Je vois pas ma souris. Non, je vois pas ma souris. Ça commence. Hein. On va se mettre à... Voilà. À 30. Et à 30. Et accepter. Ok. Ok, annuler. Il faut que j'aille appuyer sur appliquer les modifications même si je vois pas ma souris. Ok. Mais... Qu'est-ce que tu me fais le jeu? Je fais ah! Attends! Voilà, ok, il fallait appuyer sur le joystick gauche. C'est logique d'appuyer dans le joystick pour valider une action. C'est tellement intuitif, tu me diras. C'est formidable! Et moi, je peux aller là si je veux, regarde. Non, je peux pas. J'ai très peu de stamina. Hein. Ouh, elle court pas longtemps. J'espère qu'on va trouver un. Don't go in alone. N'y va pas toute seule. En tout cas, c'est. Mais. Ouais, par contre, vu que c'est en pleine journée, on profitera pas du RTX, ici. Ce qui est pas plus mal, tu me diras. Oh, là-bas? Non, c'est pas là-bas. C'est là où on a... Oh! Pas question que j'aille là-dedans sans lampe. Oh, mais oui, bien sûr. Tu as raison. Et alors, tu as une lampe sur toi? Non. Tu es venu sans lampe? On va peut-être en trouver une quelque part. Hein. Et il devait y en avoir une certainement au début du jeu, j'ai pas dû la voir. Dans la petite cabane.
Je pense qu'il doit y avoir quelque chose d'important dans la cabane. Ça fait 2 ans qu'il est sorti Security Breach? Vraiment? Ah putain, je croyais que c'était l'an dernier, moi. Bonjour, bonjour. On peut rien faire ici, peut-être sur le côté, il y a quelque chose. C'est quoi? C'est pas des lampes, ça, hein, on est d'accord. Ça y est, ça commence. Je suis perdu. Une lampe torche. Ça se trouve pas simplement. Hein. On n'y tombe pas dessus par hasard. Peut-être qu'elle était en haut. Et non, je trouve qu'elle court pas vite du tout. Hein. Regarde, là c'est mon mode de course. Elle est lente. Hein. Si on se fait courser par les monstres et qu'elle court à cette vitesse, on va pas faire long feu. Hein. Ouais, moi aussi je croyais que c'était l'an dernier. C'est bizarre. Hein. Alors. Oh, mais non, elle est pas. En tout cas, elle est pas ici. Est-ce que je la vois de loin? Hey! Ah, faut que j'arrête d'essayer de faire bugger le jeu. Le DLC est sorti il y a 3 jours. Il est sorti mardi de cette semaine. Et nous sommes en juillet 2023 pour celles et ceux qui demandent. Enfin, qui se le demandent en regardant la rediff dans quelques mois. Alors logiquement, si j'étais une lampe torche, où est-ce que je me cacherais? Si j'étais une lampe torche, je me cacherais dans un sac à dos. Je me cache... Hey! Bonjour! Je me cacherais... Eh hey, attends, il y a un truc électrique là. Il y a un symbole d'électricité. Lampe torche, électricité... Il n'y a que des bombes de peinture, il n'y a pas de lampe torche. Ça commence. Non, ça doit pas être là. Bah ça doit être vers là-bas alors. J'ai pas dû bien regarder. S'il faut, c'est juste à côté. Qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez que c'est trop lumineux pour vous? Ça vous brûle la rétine? Vous souffrez ou pas actuellement? Est-ce que vous avez très mal? Ça c'est une lampe torche. Ou... Non, ça c'est de l'oasis. Eh, hey, on dirait qu'on peut aller là-haut, regarde. On peut l'activer ce machin? Il y a un interrupteur quelque part? Non? Non, ça donnait vraiment l'impression qu'on pouvait aller là-haut. Non, en vrai, vous voulez que je baisse la luminosité? Quelqu'un, un modo veut faire un sondage peut-être? Oh! Eh mais il fallait le voir! Après, vous inquiétez pas, le jeu il va être bien sombre après. Hein. On part sur un FNAF, je vous rappelle. Hein. Donc vous inquiétez pas pour ça. Hein. Voir les infos. Ah oui, c'est une lampe torche, elle est claire, tu vois. Ah, peut-être que c'est trop, ouais, peut-être que ça éclaire trop. Tu t'ouvres? Non, il faut que je passe par une porte particulière, j'imagine. Pourquoi je peux pas passer? Ah! Ok. Donc là, vous êtes sûr que vous voulez que j'assombrisse le jeu? Vous pensez vraiment que c'est une bonne... Putain, c'est fou. T'es sur la lumière? Il marche pas le RTX. La lumière qui vient de là-bas, normalement, elle est censée éclairer de ouf. Je suis pas censé faire autant d'éclairage avec ma lampe. Bonjour, bonjour. Et c'est vrai que ça éblouit pas mal. Hein. Tu vois là, la caisse, waouh! Non, ouais, même moi je trouve que c'est un peu abusé. On va baisser un peu. Putain, la luminosité elle est pourtant bien basse. C'est peut-être le contraste qu'il faudrait que je mette à 50. Ok. Oh là. Pas du tout. C'est pas bien. Vous avez rien vu? C'est peut-être le gamma alors. Malouga me dit que c'est le gamma. On va le mettre à 62. Y'a pas 69. Oh, y'a pas 69. 64, j'aime bien. Ah. Et encore que non, c'est toujours hyper éblouissant. Mais quoi? Mais on voit plus rien. Oh, ça fait une ambiance de ouf. Ça fait... Ah, là, par contre, ça fait vraiment ambiance fin de journée avec à peine du soleil qui passe. Mais un peu trop pour moi. Putain, mais le jeu, tu pouvais pas mettre la luminosité comme il faut de base. Pourquoi c'est à moi de le régler? C'est complètement con. Ça y est, je critique le jeu. Ça commence. Ça commence. On voit plus rien. On voyait tellement ce qu'il y avait derrière là-bas, maintenant c'est tout noir.
Non mais attends, faut quand même qu'on voit un minimum. J'adore le jeu, hein. Vous inquiétez pas, j'adore ce jeu de ouf. C'est le gamin qui fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je vois plus rien? C'est la luminosité. Elle était basse, la luminosité. Mais ça n'a aucun sens de la baisser et de mieux voir. Si? Je peux pleurer un peu? Je peux pleurer, je commence déjà à en avoir marre. Je peux pleurer ou pas? Et là, je reçois les résultats du chat qui me disent que la luminosité était nickel en fait depuis le début. Yes. Ah! Ok, là on voit un peu de loin. Ça m'a l'air bien là. Oh, ça m'a l'air pas mal. Mais le truc, c'est que c'est juste trop éblouissant quand on est face à une. À ça là, tu vois? Oh! Ah oui, je le vois bien là, la lumière! Je sais pas à quoi c'est dû ça. Peut-être qu'il y a des effets. Peut-être qu'il y a des effets qu'il faut enlever. Qualité visuelle bas. Pourquoi c'est bas? Oh, c'est vrai ça. Ray tracing, arrêt. Oh putain. Oh, oh je l'enclenche, le PC va cramer. On l'enclenche, blue screen. Hein. Dès que je vais appuyer sur appliquer les modifications, blue screen direct. Le live s'arrête. Non, je suis trop. Oh, je le mets! Vous oubliez de redémarrer le jeu? Alors, non. Du coup, je prendrai jamais ce risque. Ok, tant pis. Allez, on va se mettre haut. Anti-machin, adoucit les contours des objets, on s'en fout. Distance d'affichage. Ça, c'est intéressant. Les ombres. On peut les baisser, les ombres. Ombrage. C'est quoi la différence ombre et ombrage? Post-traitement. Ouais, effet. Particules, d'accord. Texture. On peut mettre haut. Est-ce que ça pourrait être pas mal? Non, mais c'est vrai. Ah, mais c'est vrai ça? Mais c'est complètement débile. Non, pardon, désolé, j'adore FNAF. J'adore FNAF, c'est très intelligent. Allez, on va avancer parce que sinon on va passer 4 ans dans les options. C'est n'importe quoi sinon. What? Mais quoi? Mais il y a tellement de lumière que je comprends pas ce qui s'est passé. Je veux pas avoir peur, je vais être ébloui H24. Il y a vraiment un truc qu'il faut que je règle quelque part, c'est pas possible. Ça doit être ça. Je comprends pas. Je comprends juste pas. Tu es allumé toi ou pas? Et oui, tu m'as fait peur. Mais tu vois, c'est chiant, dès que je cible un truc, je vois rien. Je vois pas ce que je cible. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Je fais que râler. Je suis un connard, je fais que râler. Mais le jeu, c'est de la merde aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont pas. Pardon. Alors, rétablir les paramètres de défaut. Ah! Oh, what? Ça va? Ben, ça change rien, hein. Et pour... Ouais, non, ça change. Ouais, ça m'a tout mis à 50. Augmenter la luminosité si les blancs apparaissent gris et diminuer là si les noirs apparaissent gris. Ok. Équilibrer le contraste. Ajuster le gamma jusqu'à voir des zones, des détails dans les zones sombres. Si je mets 0 gamma, du coup je verrai rien autour de moi. On nous dit VSync dans le chat. Mais VSync c'est le, c'est pas du tout ça. Ça n'a aucun rapport VSync. VSync c'est la fluidité de l'image et bon, pff, je serais même pas étonné, tu sais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hey, la résolution est mauvaise. Oh putain. Ok, bien joué. Ok, j'ai perdu Discord. Je n'ai plus accès à Discord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Excusez-moi. Pourquoi le fait de changer la qualité, la résolution du jeu m'a fermé Discord et m'a fermé un onglet Google sur 3. À la rediff YouTube, tu dois tellement double taper à gauche depuis tout à l'heure. Envie de crever un peu, quoi? Alors. Bon ben merde, j'assume, tant pis, voilà, je vais voir du blanc et puis voilà, je vais m'arracher les yeux. J'ai l'impression que c'est inchangeable. C'est insupportable. Ils sont pas foutus de régler les paramètres de luminosité. C'est insupportable.
Ah oui, c'est vrai. Les portes, elles s'ouvrent automatiquement. Le volume, il est toujours bon. Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu... Ouais, il est bon, ok. Bonjour, bonjour. Je suis à la recherche de Grégory. I spent the night here and... Je sais pas. C'est le lapin qui était méchant dans le jeu. Non mais, qui a... Oh, Grégory, il appelle à l'aide. À l'aide. À l'aide, je m'appelle Grégory. Pas par ici. Aidez-moi. Y'a quelqu'un au secours, vous m'entendez? Ah! Attends, okiwoki. Allô? Allô? Oh! Allô? Grégory, j'ai reçu ton message. T'es où? Au secours, un truc m'a attrapé. Et ça veut pas me lâcher. Tu dois me trouver. Je suis coincé dans le trou. Sous le Raceway. Sous Roxy Raceway? Ah, c'est là où on faisait de la course de voiture, je crois. C'est complètement de l'autre côté. J'en suis très loin. De toute façon, il n'y a que là où je peux aller. Hein. C'est quoi ça? Je peux pas savoir ce que c'est. Je suis ébloui. Bonjour le chat. Bonjour à ceux qui arrivent. Hein. On joue à un super jeu ce soir. Ouais, la cinématique, elle a frisé un peu là. Ah maintenant, vous me dites de mettre tout à 50. Vous pensez? Oh, sans déconner. Oh, sans déconner, mais comment c'est possible? Vous avez raison, ça a marché. Enfin, je crois que ça... Ah oui, mais oui, regarde. Je suis un peu ébloui, mais pas trop. Ça n'a aucun sens, bref. Et si je mettais tout à zéro, ça serait bien aussi, non? Faut que je caresse la communauté FNAF dans le sens du poil. Je ne dois rien dire sur le jeu. Le jeu est génial. Ça fait partie du script de tomber de l'échelle. Le jeu n'est pas bugué du tout. Bonsoir le chat, bonsoir, ça va? Bonsoir, coucou tout le monde. On joue à FNAF, let's go. J'adore Freddy. Ah mais c'est parce que c'est fermé. Ah mais c'est... Putain, je l'avais pas vu. Attends, mais c'était fermé tout à l'heure? Attends, mais je passe... Mais vous venez avec quoi? Non, mais attends, le jeu, il a pas commencé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le jeu... On m'a dit qu'il était pas bugué, qu'il était mieux que le jeu de base. Qu'est-ce que vous... C'est quoi ce guet-apens, là? Vous êtes tous de mèche et vous m'avez fait... Non! Vous allez me faire revivre ce que j'ai vécu il y a 2 ans. Mais oui, moi aussi, je crois que j'ai... En fait, je crois que j'étais pas censé tomber. Je crois que j'étais censé passer et la grille se ferme derrière moi pour m'empêcher de tomber. Je sais pas pourquoi il est tombé, le perso. Vous avez pas ma manette, mais j'avais le joystick qui allait tout droit et puis il a fait « Oh non, je glisse !» Et puis il est tombé. Je dis juste encore et s'amuser. C'est trop bien. J'adore FNAF. C'est trop bien. Non mais là, il n'y a plus d'excuses. Mon PC, il est parfaitement fonctionnel. Tout va bien. C'est le jeu. Le jeu, il est trop... Non, mais chaque copie du jeu est personnalisée. Oh, c'est un peu... Iiii, ça va, je vais bien. I'm okay. Hey, qui veut de la pizza? Ah oui, je me rappelle aussi un petit peu de cette cuisine. C'est pas là où il y avait un gros four ou un truc pour aplatir des objets. Ah, c'est... Hey, tu sens que t'as qu'un chemin où est-ce qu'il faut aller. Hein. Vraiment, c'est un couloir le jeu pour l'instant. Tu peux aller que par là. Ils m'ont fait un petit chemin avec les fours. Et pourquoi? Chica? Chica, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as une sale mine. Enfin, je crois que t'as une sale mine parce que... J'ai un peu de mal à... J'ai un peu de mal à... Allez, ouvre-toi la porte toute seule. Merci. Y'a pas un truc derrière de moi, des fois.
Y'a pas des collectibles, des trucs cachés un peu partout? Non? On peut pas monter un peu sur les trucs là pour prendre de la hauteur? Et c'est là que t'imagines, je passe à travers la map. Genre aucun développeur s'est dit non, les joueurs ils monteront pas là. Qu'est-ce que? Y'a eu un bruit. C'est toi? Mais non, je te regardais quand il y a eu le bruit, ça peut pas être toi. Ça fait 3 jumpscares que je loupe. Ça fait 3 jumpscares que le jeu essaie de me faire peur. Je les loupe. Il y a eu l'ascenseur, il y a eu Chica, et là il y a eu ça, mais je sais pas ce que c'était le ça. J'ai envie de visiter. J'ai envie d'aller voir derrière cette poubelle. Y'a rien. Triste. Hey! What's this thing? C'est quoi cette chose? Mais je sais pas ce que c'est cette chose! Je suis obligé de me coller. Ah, c'est un mangas, je connais. Il faut relier les trucs et tout. Est-ce qu'il y a un bouton? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Eh, y a pas un bouton pour enlever la flashlight là, à un moment donné. Elle me dessert plus qu'autre chose. Il faut que j'aille chercher des petits câbles rouges et bleus, j'imagine, pour les réparer. Attends, je suis passé sans me baisser. Ah oui, on peut. J'entends du bruit. Hey. Une phase clé, comme celle de mon papa. Et tu veux pas me dire à quoi ça sert? Ah si, faut que j'aille voir les infos. Phase clé. Non, perdu. La phase clé d'un technicien. D'accord, bah je ne saurais pas du coup. Et ça s'utilise là? Ah oui. Charger tous les conduits au niveau adéquat. Pointer la phase clé sur le conduit pour le recharger. Le gameplay est énorme. Arrêtez tout, je m'amuse trop là. Ah, il fallait activer que le bleu. D'accord. Faut que je me mouche. Faut que je me mouche vite fait là. Hop là. Je suis là. Hein. Je pars pas. Ah, ça fait du bien. Farod, fais-nous des blagues de cul, s'il te plaît. Waouh, putain. En forme, le chat, ce soir, ou... Ou c'est comment, là? Ah, putain. Bonjour, bonjour. C'est quand même bien sombre, hein. Mais bon, ça reste un jeu d'horreur, je pense que c'est la norme. Je vous rappelle d'escalier... très très long à monter et descendre dans le jeu de base, ouais. Quoi? Et arrêtez avec vos bruits, enfin. Ah, c'est une patte. Ah, c'est une deuxième patte. Ah, c'est vraiment très... Ouais, ok. C'est vraiment très abandonné pour le coup. Qu'est-ce qui s'est... C'est par rapport à la fin du... Il y a quelqu'un qui parle. Je connais cette voix en plus. C'est la voix de... C'est la voix de... Dans l'ascenseur de Sister Location. Je peux pas aller là, hein, on est d'accord, hein. Non. Mais je vais aller dans le tuyau. Ok, ça m'a fait peur, ça, par contre. Je m'attendais pas à ça. C'est un exosquelette du crocodile, hein. Ouais, celui-là, il m'a fait peur. Quoi, j'ai perdu? Non. Non, c'est le début du jeu. Le DLC est fini? C'est bon? Oh, il était énorme. Je me suis régalé. GG les développeurs. Merci à tous d'avoir regardé le live. J'espère que ça vous a plu, c'était une dinguerie. C'était l'intro, c'était la mise en scène.
Qu'est-ce que c'était ça? Aïe, ma tête, où est passé cet affreux Monty? Je ferais bien de trouver une sortie avant qu'il ne revienne. Elle marche, hein? Ah oui. Oula! Ouf! Mais pourquoi quand je regarde le crocodile, c'est... Non, c'est bon? Ça frise. Ça frise! Oh! Tu fais quoi? C'est parce que l'eau... L'eau, ça te fait du mal? Bonjour, bonjour. Allez, on va aller là. Hop là! Ouais, il faut que je me méfie à un moment donné, peut-être. Avoir des phases d'infiltration à un moment donné, comme dans le jeu de base. Où va falloir se faire discret. Doucement. Mais ça sort d'où ça? Ça sort d'où? Prenez un masque, prenez un masque. Mais tu sors d'où? Ça n'a aucun sens. J'étais accroupi dans un tuyau et le mec il me jumpscare la gueule. Ça n'a aucun sens, je suis désolé. Hein. Je suis juste désolé. Alors à quoi sert le masque? Dis-moi. Ouais, j'étais où? J'étais là. J'étais là. Bref. S'équiper du masque. Bienvenue dans VAMNI, l'unité de virtualisation améliorée du maillage neuronal d'intégration. Nouvel utilisateur détecté, appareillage du transpondeur occipital, restez calme, ça ne fera pas mal. Ça me permet de voir les animatroniques de loin. Oh, stylé ça. Genre à travers les murs. Est-ce que... Ah bah non, pas du tout à travers le mur. Ah bah ça sert à quoi alors? À part de encore moins bien voir le jeu, ça sert à quoi? Oh! Attends, et si je l'enlève? Oh, mais c'est pour voir des choses invisibles! Bonjour le vrai monde! Vous avez de la chance, l'implant de transpondeur me permet de communiquer à distance même quand vous n'avez plus votre masque. Encore un avantage fantastique d'être technicien de classe V. Mais bien évidemment, vous devrez remettre votre masque pour vraiment vous mettre au travail. Ok. Et alors, à quoi ça sert? Hein, c'est des collectibles. Ces petits trucs cachés par-ci, par-là. Et je peux passer à travers, là? Attends, c'est quoi la logique? Oh, c'est stylé! Mais attends, comment c'est possible? Je porte juste un masque, pourquoi ça me fait traverser la matière? C'est ultra cheaté leur truc. Donc il y a des trucs que je peux traverser si je... Mais, ok. Et il y a d'autres trucs que je peux pas faire, mais c'est incroyable. Je le veux dans la vraie vie ça aussi. Ripper les FPS? Ah j'ai même pas vu. Quoi ça? Bonjour. Ah! J'ai pété. Oh! On dirait un petit panda. Coucou. Ça va? Ah, mais il faut que je mette le masque tout le temps, peut-être. Pour vérifier s'il n'y a pas des choses cachées, puisqu'il peut y avoir des trucs invisibles. Oh la galère. Ah, bah tiens, typiquement. Là, je peux pas passer parce que. Ah, mais ça bug! Ah, mais on voit que ça bug! Et quand on voit qu'il y a un truc visuellement qui bug, c'est qu'on sait qu'on peut utiliser le masque pour passer. Hé, c'est les stations de recharge de Freddy. C'est génial. J'aurais juré que ce passage était bloqué avant. En fait, tu t'es pas dit ça sur l'autre aussi? Bonjour. Bonjour. Tiens, là aussi il y a un truc. Allez. Pignata Bonnie. Ça va le chat? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui me disent que ça. Il y a des trucs qui frisent un peu. Qu'est-ce qui. Ça va? Ou pas? Du coup, ça sert à quoi de l'enlever? Ça sert à quoi de l'enlever? Réel.
Bah, il y aura un moment où on pourra pas le porter, j'imagine. Genre là, par exemple, je vois pas ce que je vois. Ah bah tiens. Ah bah tiens, bah voilà. À quoi ça sert de l'enlever? Bah là, je suis dans une zone où je suis bloqué. Oh, ça doit tellement être bizarre là à l'écran ce que vous voyez. Surtout quand je fais ça là. Là, quand je fais ça. Attends, avec ma souris, ça sera peut-être plus parlant. Voilà, quand je fais ça là, ça doit être. J'espère que vous êtes bien en plein écran là sur la télé. Bien proche de l'écran. Yeah. Est-ce que je suis flou? Est-ce que ma tête est floue un peu ou pas? Le pâté. Très bien. On se fait un golf? Un mini golf? Qu'est-ce que c'est censé être? C'est une station de caméra à distance. Vous parlez de quoi? Heureusement pour vous, elle. Ok. Ok. Du coup, tu parlais de quoi? Tu parlais de ça? Ah, tu parlais de ça? Putain, il faut prévenir de quoi vous parlez. Ces petites boîtes. J'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé, vraiment. Ces petites boîtes représentent les caméras de sécurité actives dans cette zone. Choisissez une caméra pour voir ce qu'elle montre. Veuillez appuyer sur le bouton haut-parleur qui clignote. Oh non, j'aime pas du tout. Sympa, non? J'ai créé ça avec des échantillons de votre voix. Les employés expérimentés utilisent des enregistrements sur haut-parleurs de ce genre pour diriger les animatroniques vers les lieux précis. Pour des autographes ou des séances photo, par exemple. Il y a 4 caméras. Oh ah, mais je peux pas utiliser le signal sonore ici. Là, c'est nous, hein, en bas. Après, je peux pas... Ah, c'est là, d'accord. C'est la map que je... Ok. Donc là, c'est là où je vais aller. Donc typiquement, faut pas que j'appelle quelqu'un ici. Là, c'est aussi là où je vais aller, faut pas que j'appelle quelqu'un ici. Je vais l'appeler là, hein, forcément. Je vais l'appeler le plus loin possible. Ah non, je l'attire en fait. Ok. Bon, j'ai peur, oui. Un peu, oui. Mais t'inquiète, je mets mon masque et je le vois plus. Si je le vois pas, il me voit pas. Logique. Mais d'ailleurs, mon masque, il faudrait que je le mette tout le temps. Potentiellement. Il y a des endroits... Il y a des petits chemins cachés que t'es quelque part, non? Et puis, en plus, avec le masque, je pourrais voir mieux de loin les animatroniques. Oh, je suis bloqué. On peut y jouer. Ah, c'est pas dans ce jeu où le jeu, il avait planté quand j'avais essayé de jouer. Je peux sauvegarder? Y a pas de sauvegarde? Ça sauvegarde en temps réel? J'ai trop peur de jouer. J'ai vraiment trop peur de jouer. Je suis très sincère. Moi, j'ai souvenir que ça fait planter le jeu. Oh, trop bien, on va faire du golf. Eh, mais c'est le jeu de golf en multi sur Steam, là, qu'on connaît. Waouh, la sensibilité. Incroyable, putain, j'aurais pas dû bouger. Je peux pas réinitialiser, là. Non, ok. Et... Comment j'envoie? Comment je lance? Oui. J'essaie de comprendre comment on fait. Là. Et je comprends pas. Attends, mais je suis désolé, hein, j'appuie sur tous les boutons. Ah! Ok. Mais ça n'a aucun sens, c'était le joystick. Faut tourner le joystick pour charger. J'adore FNAF. Putain, c'est trop bien FNAF ou quoi? C'est le poteau? Enfin, c'est le... C'est la fin du jeu, j'arrive. Mais... Et là, maintenant, la caméra, on peut plus la bouger? Alors, on va imaginer que c'est le poteau. Ah oui. Ça frappe fort.
Yeah! Boogie! Ouais! Let's go! Trou numéro 2. C'est là-bas que faut que j'aille? En vrai, pas mal, hein? Y'a un truc, hein? Pourquoi il joue au golf? Mais enfin, je joue pas au golf, je joue à FNAF! Toi alors, hein, t'as pas suivi, hein? Toi, t'as pas écouté, hein? Ça sert à rien le golf, c'est vrai? Des gens dans le chat me disent te fais pas de mal avec ça. Ça sert à rien. Birdie, je suis un oiseau, let's go, trop bien. Allez, j'en fais un dernier. Un dernier trou. Hop, on essaie de bien viser. On voyait la fond, on réfléchit pas. J'aurais dû réfléchir. Oh non, ça va être chiant. Et ça avait l'air. Eh? Ça avait l'air d'être cheaté en vrai, de passer par là-bas. Yeah, le jeu a l'air trop bien. Je suis censé aller où d'ailleurs, moi? Non mais vraie question, je vais où là? Mais on voit rien. Ah mais il y a le trou là! Putain mais vous l'aviez vu vous? Ouais, je suis un monstre. On peut s'en aller là ou... J'ai hâte que le film il sorte au cinéma parce que je pense qu'il va être trop bien. Et je pense qu'il sera pas buggé surtout. Oh, si je me chope une séance ciné où il n'y a pas le son, que l'image elle est inversée ou que les lumières restent allumées. Non mais là par contre je vais commencer à penser qu'il y a une caméra cachée, hein, je vous le dis. On peut passer par là. Hein. C'est quoi ce boucan? Allô? Tu fais du bruit? Je suis le conduit. Bon, ça du coup, j'imagine qu'il faut enlever le masque pour passer. Eh ouais. Eh ouais. Ouais, logique, hein. Vous voyez où le mec rampant, là, qui est censé me tuer? Ah. Il est par là-bas. Regarde bien. Il va debout. Ah, mais c'est réel, en plus. Putain, merci mon pote à la compote, là. Merci mon frérot à la fraise, là. Donc je me suis dit, moi, tiens, je vais dans la direction de là où il y a le monstre, quoi. Oula, ça bug, ça. Pourquoi tu bugs, toi? Mais... Quoi? Comment ça, je peux pas enlever le masque? Quoi, il est collé à mon visage? Mais c'est censé vouloir dire quoi, ça? Ah, il y a un mur invisible. Oh, ils ont appris de leur erreur. Bien joué, ça. Bien joué. Oula! Oh! Mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a... Ne t'arrête pas de me chercher, j'ai besoin de toi. Grégory, je t'entends. Si tu m'entends, désactive toute la sécurité. Éteins tout! Sécurité? Mais de quoi tu parles? Ça n'a aucun sens. Les deux de sécurité, trouve-les, désactive-les tous. Je pourrais pas sortir avant. Donc peut-être qu'il est dans la porte là-bas et il faut que j'aille dans l'autre direction. Des nœuds de sécurité, c'est quoi ça encore, hein? Augmente le gamma, pitié. Ouais, vous avez raison, ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué avec ça. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente le gamma maintenant? Lol. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la diff? Oh putain, sans déconner. Mais c'est tellement mieux avec le gamma à fond, on voit mieux. Bref. Je vais rien dire parce que ce jeu est vraiment trop bien pour moi en fait. C'est moi qui... Je mérite pas le jeu. Oh ça c'est stylé ça par contre. Et si j'ai pas le masque? Ah ouais, c'est génial. Le coup des hologrammes comme ça, ça a de la gueule, hein. J'aime bien.
Où est des yeux là? C'est bizarre votre histoire. Oh oh, qu'est-ce que c'est ça encore? Bonjour. J'active d'abord les nœuds secondaires. Ah oui, oula, ça vibre fort. Hein. C'est toi le nœud secondaire déjà? Non mais oh. Mais t'es censé représenter quoi là du coup? Ah ouais, mais il est bizarre le jeu. J'active les nœuds secondaires. Les nœuds secondaires. Est-ce que les couleurs... Ça, ouais, ça va vers lui. Donc faut que j'aille chercher. Je peux aller là? Non, c'est pas la suite. Hein. Moi, je viens de là-bas. Peut-être qu'il aurait pas fallu que j'aille en premier, mais que j'aille à la porte d'abord pour voir ce qu'on me dit. Cette porte est électrifiée. Quelque chose doit l'alimenter. Cette porte est en mode verrouillage d'urgence. Veut fouiller le monde en réalité augmentée à la recherche de nœuds de sécurité. Désactiver ces vilains nœuds et la porte devrait s'ouvrir. Ah oui, pardon, j'avais oublié, Maluga m'avait écrit un truc. Oublie pas de leur dire pour le backseat s'il est autorisé ou non. Et nous, par la même occasion, j'ai oublié de le dire, c'est vrai. C'était il y a quand même 40 minutes, pardon. Non, le backseat n'est pas autorisé. De toute façon, moi, j'ai pas trop l'œil sur le chat, c'est pas trop grave, mais évitez de le faire. Et par contre, après, si je suis full bloqué, bien sûr, je demanderai de l'aide, évidemment. Ce qui ne saurait tarder. Est-ce que je viens de là? Non, moi, je viens de là-haut. Donc, je vais aller là-bas. C'est juste pour avoir des cadeaux, ça? La peluche cauchemardesque. Et si j'enlève le truc ici? Eh, récupérer quoi? Ah mais il y a des cadeaux aussi qu'on voit pas sans le masque. Ah, vous êtes gentil de mettre plein de collectibles, mais vous voulez pas mettre genre la suite du jeu, tout simplement? Bon, on va dire, reste en RA, avec le masque. Et ouais, c'est ça, faut que je me dirige vers ça. Bon, la porte, elle est niquée. Ah non, mais moi j'ai bien l'impression que c'est par là-bas qu'il faut que j'aille. Ouais, c'est par là-haut. Hein. Après, maintenant que j'ai parlé à la porte, peut-être qu'un script s'est lancé et quelque chose va changer ici. Attends, mais c'est quoi ça? J'avais pas vu ça. Mais je peux y aller? Écoutez, ça vient de là-bas. Ça vient de là-bas. Il faut que je trouve un moyen. Il faut que je trouve un moyen pour aller là-bas. Il doit y avoir des endroits où des choses disparaissent si j'ai pas le masque, je pense. Il doit y avoir des accès qui s'ouvrent quelque part, c'est pas possible. Là, il y a vraiment rien pour le coup. Ouais, ça commence, je suis bloqué. J'en peux plus. Oh, attends. Ça veut dire quoi ça? Je peux passer en dessous? Ah non. Ah, je peux plus du tout revenir en arrière par contre. Hein. Je suis bloqué ici. Donc c'est clairement qu'il y a quelque chose que je dois faire ici que je vois juste pas. Non, on va pas s'approcher de ça. On dirait qu'il y a un chemin là-bas. Oh! Je peux monter là? Non, ouais, j'ai l'impression que la barrière m'empêche d'y aller. Bon, bah vas-y. Allez. Le chat, tu peux me backseat. Ça commence. Il y a quelque chose que je dois pas comprendre. Que je dois pas voir.
puis le gros câble rouge. À côté du lapin. Putain, c'est fou là-bas, j'ai l'impression d'avoir tout vu. Le gros câble rouge à côté du lapin. Ouais, ok, d'accord. Non mais sérieux. Oh putain, j'en savais rien. C'est pas très intuitif, hein. Et c'est ça un nœud? Pour moi c'est un tonneau. Que? Réseau de sécurité de RA. Relier les hologrammes correspondants, attention à ne pas croiser les lignes. Eh mais on est dans Professeur Layton ou quoi là? D'accord. Et là on peut passer par là? J'ai l'impression que non. Waouh, 90 picarats les gars. Ah, et ça active. Bonjour, tu veux me jumpscarer la tête un peu? Non? D'accord. Bon, tu le fais pas tomber sur moi, hein. Tu seras gentil, merci. Putain, mais j'étais nul. Mais le jeu était pas intuitif non plus, hein. Il fallait le savoir, hein. Qu'un nœud, c'était un tonneau. Et qu'une fraise dans ce jeu, c'est une voiture. Eh oui, si j'en suis la logique. Ah mais j'étais en mode masque. Putain, je m'en suis même pas rendu compte. Oh. Oh. On va croiser le démon... Merde, comment ça s'appelle dans Stranger Things? Golgon? Le démon Golgon? Comment il s'appelle déjà? Golmon? Le démon Golmon? Mongol? Je sais plus comment il s'appelle. Ah, le démon... Le démo Gorgon. Ah ouais, donc j'y étais pas du tout. Il y a rien que je fais bien, en fait. Même sortir des rêves, je le fais qu'à moitié. C'est pas possible, ça. Ouais, ça y est, maintenant j'ai compris le gameplay. Hein. Alerte! Je détecte une entité anormale dans le réseau Vamni. Veuillez demander à cette entité de quitter la zone immédiatement. Si ça ne fonctionne pas, il vaut mieux quitter le mode R1 et constater notre support en ligne dispo. Non, c'est faux. Oh là, j'ai eu un relan, là. Pardon, ça va? Allô, allô, le chat? Ça va? Trop bizarre. Mon micro, il a bugué un peu, non? Alors, on va suivre les petits trucs comme ça. Oh, what? Et ça, je peux le... Ah, mais d'accord. Ah, mais les nœuds, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. C'est pas que des tonneaux. Yeah. Waouh, c'est dégueulasse, j'ai eu trop peur. Ouais, oh, oh. Si je te vois pas, tu me vois pas, hein. Je m'en bats les couilles. Ça me rappelle Five Nights 8. Le lapin qui... Le lapin un peu... comment on dit? Putain... Comment on dit? J'ai plus le... J'arrive plus. Il se rapproche là, non? Mais pousse ta boîte de dialogue du con, je vois rien. Comment on dit? Mais glitch trap, d'accord, mais je veux dire comment on dit un hologramme, ok. Attends, il vient de me passer à côté là? Vraiment? Il vient vraiment de me passer à côté? Mais ouais. Attends, mais c'est la folie le jeu là. Mais je suis censé aller où et comment, là? Attends, vous m'avez mis 1000 monstres à la suite, là? Ah, déjà, l'autre, il est parti. Il est où, le rampant? Il est où, le rampant? Ah, mais tiens. Vas-y. Attends, il est où, le rampant? Ah, il faut enlever le masque pour faire disparaître l'hologramme? Et l'autre, il est sur le bébé de Chica. Quoi? Arrête, hein. Tu fais pas ça, hein. Ah, il y en a encore un troisième. Ah oui, j'avais pas vu. Désolé. Vas-y. Mais arrête de me parler, toi. Attends. J'enlève le masque.
Et il est plus là, c'est ça? Mais genre, faut que je l'éloigne ailleurs ou pas? Ah non, il despawn en fait. C'est ça? Mais qui c'est qui a allumé Spotify là? Ça va toi? Attention hein, ça glisse. Quoi? D'accord, j'ai plus droit aux sous-titres. Je vais me faire foutre. Faut que je rembourse. Wow! Non mais faites pas ça hein. Ah, j'ai trouvé le signal. J'ai pas vu la suite, ça va trop vite. Tu es sorti juste à temps, si tu la revois, garde tes distances. La porte du Gator Club. Ouah, tu parles trop vite, Grégory, là. Je suis incapable de lire. J'ai peur, le jeu. Il fait flipper, hein. C'est quoi, ça? Ça veut dire quoi ça? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Y'a un truc là-bas? Pas responsable de potentiel traumatisme en RA. Mais je m'en fous. Tais-toi. Peut-être que la porte elle n'est plus électrifiée maintenant. Ah, elle est ouverte! Bon. Mais TG. Regarde, j'enlève le masque et je te passe à travers au calme. Et puis voilà. Ah, c'est vraiment ça, je te vois pas, tu me vois pas. Alors là, je suis agréablement surpris. Imagine lui un jour il me fait un jumpscare. Pardon. Sauvegarder. Mais d'ailleurs, c'est quand qu'on sauvegarde? Bonjour Chopper, ça va? C'est quand qu'on sauvegarde dans ce jeu? Au final, à moins que ça sauvegarde automatiquement. Bonjour, bonjour. Et y a pas des trucs cachés là? Sauvegarde automatique, formidable. Très bonne nouvelle ça. Et il y a vraiment des... Ils ont eu un budget balle. Oh attends, là il y a une balle, elle est carrée, hein, je l'ai vu. C'est pas des balles rondes ça monsieur, c'est des balles carrées. Hein. Encore une... Quoi? Tu crois qu'il va sortir? Ou j'aime pas trop. Ah, mais le nombre de balles. Eh, c'est la piscine à balles ou quoi là? Oh, il y a un truc au sol qui se démarque des autres. Ah non, c'est juste une balle. La piscine à balles. C'est trop cool. Il est compliqué ce mode de jeu. Il est pas simple. Quoi? Qui a fait du bruit? C'est quoi? C'est ça qui essaie de s'ouvrir? Arrête! Ah, il faut que je mette le masque. Ah non. Ah, c'est ça! Oh putain. Hey! Je reconnais cet endroit! C'est là où on s'est fait attaquer par le lapin, là, dans l'autre jeu. Oh, elle est pourrie la pizza! C'est pas mal ça! Le côté pourri. Ouais, je reconnais. Donc on est vraiment en train de refaire toute la même map, mais Ah mais la pizza! La pizza c'est un... Je me suis trompé de bouton, pardon.
C'est une 4 fromages, oui, mais là, avec le temps, il y a eu des champignons en plus. 4 pizzas champignons, sympa. Tu veux que j'aille où? Là? La boule! La boule magique, sympa. J'enlève ça, au cas où il était pas loin, pour le faire partir. Et là, ok. C'est trop compliqué, j'ai le cerveau en éruption là. Oh, attends, tu passes ou tu passes pas? En vrai, tu passes. Tu fais un peu la comédie. Eh, mais c'est des acteurs en fait, c'est une caméra cachée. Ils me font croire que je suis pourchassé et tout, mais c'est... Ils font ça. Ouais. On va y aller, hein? Allez. Allez, hein? Non, j'ai pas eu peur. C'est pas vrai. Alors, qu'avons-nous là? Qu'avons-nous ici? Pourquoi j'entends un bruit reverse? Un bruit inversé là. Donc ça part de là déjà pour commencer. Oh, j'ai eu trop peur! J'imagine que... Alors, si je remets le masque, il est de nouveau là ou pas? Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Enlève, 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 enlève! Enlève! Couillon! Je peux pas l'enlever? Ah, s'il est trop proche de moi, je peux pas l'enlever. Concept, ça. Donc, il despawn pas, en fait. Pas trop, en tout cas. Quoi? Quoi? Pourquoi j'entends King Karoul là? Ah, bah j'avais pas capté qu'il y en avait un. Oui, je vais essayer, oui. Ouf, tiens, c'est long les temps de chargement par contre, pour relancer le jeu. Eh, il y a eu pas mal de subs là. Faut que je les lise à un moment donné aussi. Where are you, ma souris? Mouse! Oula, ma souris là, en tout cas, elle est dans le jeu. Je recommence d'où? Oh, d'accord, on va se faire foutre en fait les sauvegardes automatiques, mais c'est de la merde. C'est trop long? Pourquoi je dois me retaper tout ça? Ah ouais, non! Attends, mais c'est le bon chemin? Attends, je vais où là? Je me souviens pas d'être passé par là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais où là? Je reviens derrière? Non, mais j'ai jamais fait ça moi. Ah mais non, mais en fait... Mais pourquoi la caméra m'a mis en direction de ça? Mais... Je frappe le micro, mais faut visualiser que je suis en train de casser la gueule au développeur. Quoi? Qui a dit ça? Oh, faut pas parler comme ça, c'est pas bien. Mais quelle idée de me mettre en direction du chemin opposé? Ça me donne l'impression que c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Et je dois me retaper ça. Génial. Trop bien. Trop bien. J'adore ça. J'adore ce mode de jeu, c'est mon jeu préféré. Ça vibre très fort par contre. Il y a le mec. Ça vibre giga fort là. Là, ça aurait été bien que ça sauvegarde à l'entrée cette salle, tu vois. Surtout si on est amené à mourir souvent ici, par exemple. Oula. Chut. Personne ne fait de bruit. Que personne ne panique. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le machin, oui.
ça vibre très fort. Pour l'instant, il n'y a pas l'autre qui vient me chercher. Je vais me placer derrière ici, comme ça j'ai une bonne visibilité. Et alors ça a servi à quoi? À ouvrir là, parfait. J'ai pas trop eu le temps de visiter la salle. J'admets. Tu vas sauvegarder un peu le jeu ou... En tout cas le jeu Non mais là le jeu tu frises de ouf. Ça veut dire que tu sauvegardes en même temps, c'est ça? Rassure-moi. Mais non, y a pas d'impasse, enfin. Regarde. Alors là c'est là où je suis moi. Anomalie détectée, quarantaine, ok. Ouais, j'ai rien compris. Quoi? It's gone? Je passe à travers un écran et je me retrouve à la gare de Rick Grindstar. Il n'y a rien à craindre, tout est parfaitement normal. Qu'est-ce qui se passe? Je suis passé dans la télévision? Que ça va aider le jeu à être plus fluide, hein, on sait pas. Je peux game hein? Oh, certainement pas. C'est pas les fameux qu'il faut regarder tout le temps, ça? Je sais pas où je vais. Hey! House of the Beer! Bonjour, ça va? Hey! Bonjour, ça va toi aussi? On va aller là? Fermé. Oh! Non! Non! La lune et le soleil là! Oh, j'avais pas aimé! Oh, c'était dur! Oh, je me souviens que c'était dur, fallait se balader dans tous les... Tu vois qu'elle aveugle ma lumière. Tu vois qu'elle est éblouissante la lumière. Tu vois, je mentais pas. Hein. Même lui, il a dit que j'abuse. Alors que c'est le soleil quand même. Hein. Même le soleil, il trouve que j'éblouis trop. Oh, sauvegarde en bas à droite. Oh, je vais me faire détruire dans ce mode de jeu, je le sens. On s'en fout un peu de ça. Attends, masque du soleil? Attends, ça a l'air d'être important ça. Ce qui est écrit. Du fun. Ah non, c'est pas du tout important, ok. Je suis où là? Pourquoi je vois plus rien? Est-ce qu'il faut que j'enlève le masque peut-être? Ah oui, d'accord. C'était bien caché. Comment ça? Putain, je comprends rien. La caméra elle bouge, elle fait. Redémarrage, il faut que nous soyons entiers. Il veut que j'active les générateurs. Pardon, il vole? Et depuis quand il vole? Je suis impressionné là. Non mais c'est trop bizarre qu'il vole, c'est quoi cette histoire? Il avait des câbles sur lui ou... Quoi? Quoi? J'enlève le masque, c'est bon j'ai compris. Attends mais il y a un truc à faire là. Anomalie détectée, quarantaine. Je sais pas ce que ça veut dire. Anomalie détectée. Quarantaine? Soleil? Et il dit quoi la nuit? Parce qu'il y a un ordre. Lune et après soleil. Ah j'ai ouvert le passage. J'enlève au cas où. Hein. Au cas où il y avait le springtrap.
pas sûr de bien comprendre le jeu. Ah oui, t'es vraiment à côté de moi, toi. Mais je peux pas passer, par contre. Pourquoi je peux pas passer? Ah, il faut que je me baisse, ok. Et là, je l'enlève. Ok, je peux pas l'enlever. Vraiment? Ah, vraiment. Vraiment, vraiment. Ok. Oh là là, oh non, j'ai des souvenirs de ce labyrinthe. Mais ça va. Et c'est encore une fois, c'est du couloir. Oh là là. Oh, joli. Oh, joli, stylé. Ah, je peux pas enlever le masque, je suis obligé de le garder. Et là, je peux l'enlever si je veux. Et je dois l'enlever. Ah, ok, putain, je voyais pas. Donc, il m'a dit active les générateurs. On marchera pas, fais ta sieste, pas de soleil. Mais attends, on est en train de le tuer, mais pourquoi il m'a demandé d'activer les générateurs si ça va lui faire du mal? Je peux aller que là? Je peux aller que là. C'est un générateur, ça? Non. Oh, il est en cage, le petit ourson. Attends, je peux y aller, là? Faut que je fasse le tour. Pas du tout. Peut-être qu'il y a des trucs que je vois pas. Non, il y a un ordre, c'est de gauche à droite, j'imagine. Oh, le boucan que ça fait. Oh, il est là-bas. Et donc là, ça m'a... Oula. Ça m'a ouvert ce passage là. Ok, mais lui, il est forcément derrière moi. Ah ouais, d'accord. Ah, il me lâchera pas quoi. Et là, ici, logiquement, je peux plus enlever le masque. Ok. Ok. Je vais aller là. Oh non, il y a deux chemins différents à l'aide. Ok, cul de sac. Et je peux pas l'enlever de toute façon. Je peux que passer. Et alors, il y a un générateur ici. Ouais, bien joué. Il y en a encore un autre là-bas qui est pas allumé. Et alors là, je descends là. Parce que j'ai pas tout fouillé là-dedans, moi. Faut que j'y retourne. Oh putain, je suis bloqué dans le bloc. Ouais, j'ai pas tout vu là, moi. Je suis passé par là. Mais il y avait un escalier qui montait juste là. Ici, là. Ah, c'était pour un cadeau. J'ai cru que c'était pour un troisième générateur, j'avais peur de le louper. Ok. Et là, il n'y a rien. Ok. Ça va le chat? Tout roule? Ça bug? Ça freeze? Et il y a des soucis ou tout va bien? Les flèches me disent d'aller là-bas. Ça frise un peu parfois. Ouais, je le vois chez moi aussi que ça frise un peu, c'est dommage. Entre ça et le fait qu'on voit pas très bien. Ah bah si la flèche me dit d'aller là-bas, hein. On y va, hein.
Oh bah attends, Ah, je vais pas y aller, je vais me faire croquer là. Il doit y avoir un dernier générateur que j'ai dû oublier d'allumer quelque part. Ah bah non. Peut-être qu'il faut passer à côté sans faire trop de bruit. Là, qu'est-ce qu'il y a là? Rien. Là, rien. Là, si je descends là-bas, on a quoi? Oula, c'est quoi ce chemin? Cul de l'ourson, là. No light! Ah oui, mais... Moi, elle me l'enlève pas, ma flashlight, quand j'appuie sur F. No light, qui dit. Ah, mais justement, la light, ça lui fait pas du bien. Vaut mieux lui mettre la light sur la tête. Tu me fais pas de mal, hein? 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 Elle m'a sorti la télécommande comme si je pouvais... Je dois aller là-bas, peut-être. Je vais pas tomber, quand même. Pourquoi je peux pas y aller? Ça bloque? Ah putain, il faut me baisser, ok. Désolé, désolé mon gars. C'est bientôt fini. Mais non, mais attends. Mais je suis... Mais non, c'est là où j'étais. Attends, qu'est-ce que... Et tu veux que je fasse un truc avec la télécommande? Pourquoi tu me lasses? Y'a un truc que je vois pas. Y'a un générateur à côté de nous. Je peux rien faire. Et si je descends là? J'ai déjà été en bas ou pas? Dites-moi ce que je dois faire, hein. Dites-moi. Mais non, je comprends pas. Tu comprends pas? Ben non, je comprends pas. Tu trouves que c'est intuitif, toi? Bah écoute, je suis collé à lui, hein. Je sais pas ce que je dois faire. Et pourquoi je peux le réinitialiser que quand... Que quand je saute, en fait? Happy birthday! Warning, warning! Child in danger! Safety mode active! Little girl, you can't... Oh, c'est incroyable qu'il vole. Pourquoi dans le lore il est capable de voler? Qu'est-ce qui lui donne le pouvoir de voler dans l'histoire? Il y a une corde. Thank you. Il y a une corde. Eh ben, elle est bien dissimulée. Oh, vous me faites peur, vous. Je vous connais. Quand vous regardez plus, vous marchez. Je vous aime pas, vous. Non. Wow, tu m'as fait peur, toi. Ça va passer de l'autre côté ? Ah, ça passe encore de l'autre côté ? Oula, Oh. Ok. Oh là, quoi? Ça vibre, hein? Qu'est-ce qui se passe?
Oh oui, ça va être pratique ça, manquer que ça. Un mec que je suis obligé de regarder. Et non, je te regarde, hein. Tu fais quoi là? Putain, je suis où là? Eh, mais attends, c'est ouvert? Ah, mais la porte s'ouvre si on se rapproche, d'accord, autant pour moi. Autant pour... Quelqu'un bouge là. Mais est-ce que quand j'ai le masque, il me voit plus, j'ai l'impression? Ou alors c'est celui qui est à l'extérieur que j'entends bouger. Putain, mais ça vibre de ouf. Enfin, en tout cas, dans ma manette, ça vibre. Oh, what? Et c'est ça que je dois activer? Une pression ton truc. Ouvre-toi, porte s'il te plaît. Et là je te regarde. Ta vieille tête là. Non. Oh putain. Est-ce que si je mets le masque, il me voit plus? De toute façon, je pouvais rien faire d'autre. Hein. De toute façon, je pouvais juste rien faire d'autre. Et je peux passer à travers eux ou pas? Ah, il faudrait que je les attire ailleurs. Qui bouge ici. J'ai pas l'impression. Bougez ou bougez pas vous? Oh, bougez pas. Ok. Oh merde! Ah, y'a encore un truc à activer? Bah, je l'avais pas vu. Non, mais alors du coup, est-ce que je me fais croquer si je passe dedans ou pas? Ah, lui, il reste là, il bloque. Quoi? Ah oui, merde, il y a le méchant, c'est vrai. Je peux pas rester comme ça. Merde. Mais j'en ai un en face de moi, j'en ai un derrière moi. Avance! Je vois pas le rouge. Si, je vois le rouge. Donc il faut que je passe entre eux. La galère. Ta gueule là. Putain, s'il est trop proche, on peut pas enlever le masque. C'est pas une horreur ça en vrai. Oh, tu peux pas l'enlever parce qu'il est trop proche de toi. Mais c'est débile. Ça lag beaucoup, c'est vrai? Oh, je suis désolé, moi je m'en rends pas compte. Ça lag énormément, le chat. Ah, il faut me le dire, hein. Faut me le dire, hein, si ça lag énormément. Oh putain, mais y'a tout qui est bas. Ça lag pas constamment. Il y a d'énormes pertes de FPS. Oh, c'est chiant. Il con le jeu. Voilà, j'ai tout baissé là. Peut-être que ça sera mieux. Tu vous me dites si c'est mieux ou pas, si c'est plus fluide.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça lag toujours? Ah non mais les gars. Attends, mais c'est quoi cette image que vous avez là? Ça fait combien de temps que vous voyez le stream dans ces conditions là? Non, c'est pas possible que vous voyez le... C'est n'importe quoi ce qui se passe là. Mais attends, j'ai baissé les textures, d'où ça bug comme ça là? Non mais là c'est une catastrophe, même moi je bug. Oh, allô? Allô? Allô le jeu, allô? OBS, allô? Le jeu est très gourmand, c'est comme ça tout le long. Il a faim le jeu. C'est peut-être ça que j'ai enlevé tout à l'heure. Peut-être qu'il faut réactiver ça. Quoi? J'ai pas vu, j'ai pas... Non! J'étais concentré sur le jeu. Enfin, non, enfin, sur la qualité de... Non, me fais pas tout recommencer, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je veux pas tout refaire. J'étais pas concentré dans le jeu. Mais quel jeu de merde! C'est de la merde! Faut laisser tomber à un moment donné, FNAF. C'est nul! Security Breach, c'est nul. J'ai jamais mis de critique sur Steam de ma vie, mais je crois que vraiment, je crois que ce jeu, c'est plus qu'il le mérite. Hein. Bon. Hey, there's another one of those signals. If it's anything like Monty Golf, pourquoi ça ouvre pas la porte? Must lead to whatever's locking the theater. C'est pas là-bas? Ah non, il y avait d'abord lui là-bas. Lag? Non. Non, ça va, en vrai. Ça lag encore? Mais chez moi c'est fluide. Je comprends pas. Mais comment ça lag trop farode? C'est vrai? Mais pourquoi je ne vois pas la rediff que ça lag? Pour moi c'est fluide ce que vous voyez là. Ah mais attends, peut-être ça vient du stream directement. Peut-être c'est OBS qui a un problème. Ah non, je suis dans le vert. Genre là, c'est pour vous, c'est pas fluide. Avec le masque, ça lag. Ça lag près de la porte où il y a la tête de lapin. Mais en fait, dès que ma manette elle vibre, ça lag. C'est quoi cette blague? En fait, le jeu, il vous anticipe les jumpscares. Mais pourquoi ça lag comme ça à des moments et pas à d'autres? En fait, c'est ça qui fait le plus peur du jeu. C'est son optimisation, c'est pas les jumpscares, c'est pas les persos, c'est pas l'histoire. C'est l'optimisation du jeu qui fait le plus peur. Hein. Et venez pas me dire que c'est mon PC. Hein. Mon PC, il est formidable, mon PC. Il a tous les derniers composants, mon PC. Il est bien ventilé, il a aucun problème, mon PC. Il y a 2 ans, je dis pas. Il y a 2 ans, je peux être d'accord avec vous, il y avait des soucis. Depuis, je l'ai full réparé, il y a plus de problème. Hein. Mais quoi, je baisse la résolution, je mets en 1080. Ah mais non, mais du coup... Et non, du coup, je peux pas... À moins que je me mette en plein écran.
Ah non, ça veut pas. Merde. C'est un peu con, ça. Plein écran fenêtré. Ah! Ah ah! T'es juste maudit. Non, non, c'est juste que... Five Nights 9 est un jeu atroce et le DLC est sur la même lancée, c'est tout. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain! Elle peut pas courir en marche arrière, je crois. Au moins, c'est confirmé que... Putain, mais ça m'a fait perdre ma fenêtre Discord! Bon, ben, les modos, je vous vois plus. Au moins, c'est confirmé que on peut se faire tuer même avec le masque. Attends, non, non, mets pas le masque d'abord. Il faut juste que je récupère Discord là. D'accord, ça me change l'écran. Discord il est à droite, il me le met au milieu. Et ça me fait perdre la troisième fenêtre de Google Chrome, sans aucune raison, encore une fois. Vas-y, mini pause. Je vais mettre le jeu en pause d'ailleurs. Mini pause, on va lire les subs que je les ai pas lus depuis un moment. Putain, mais ça me décale tout. Cette fenêtre elle est plus à gauche normalement. Sinon je vois pas les messages. Alors, au niveau des subs, je sais plus du tout où je m'étais arrêté. DumDum2077, merci pour les 25 mois. Shocksnay, merci pour les 9 mois. Or Golden Bunny, merci pour les 6 mois. Vous pouvez dire bonjour YouTube en attendant et leur dire à quel point vous passez un bon moment. C'est faux. Merci à Tony Wislong R, merci pour le Prime. Bienvenue. Merci à Camille You pour les 2 mois de resub. Merci à Anzac Monster pour les 10 mois. Merci Cheeseburger pour les 21 mois. Merci Misa Ato pour les 30 mois, merci Soya pour les 25 mois, merci Anako Haru pour les 5 mois, merci Afra Turns to Dust pour les 6 mois, merci Mitsuwa pour les 21 mois, merci Théodore du cul pour les 2 ans de Resub, bon anniversaire, merci Taigon TV pour les 8 mois, merci Flapper L pour les 18 mois, merci Amaterasu pour les 7 mois, Louvi5 merci pour les 2 ans, bon anniversaire à toi aussi, Yator83 merci pour les 4 mois, Nekolover08 merci pour le tier 1, bienvenue. Alex14, merci pour les 7 mois. Opération Noodle TV, merci pour les 13 mois. TotAppleCraft, merci pour les 26 mois. Découchot, merci pour les 7 mois. Mortigo, merci pour les 2 mois. Yurika, merci pour les 1 an, bon anniversaire. Et merci pour le message. Angelo 30050, merci pour le Prime. Bienvenue. HTTPS Ali, merci pour les 8 mois. Demi Dakiaris, merci pour les 6 mois. Akuma et Ayen, merci pour les 11 mois. Emma Julien, merci pour les 245 bits. Ayem Fazer, merci pour les 4 mois. Leino Swiss, merci pour le Prime. Bienvenue. Skush Zero, merci pour le Prime. Bienvenue. Blastoff, merci pour le Prime. Bienvenue. Et Miliska, merci pour les 35 mois de resub. Allez, c'est reparti. C'est reparti, j'ai droite. Alors, donc le premier truc à réactiver, il est tout au fond, quoi. Et c'est pas déjà... On peut pas déjà aller à chercher les autres, là. Alors, c'est rouge. Ils se mettent pas encore à marcher. Peut-être qu'ils se mettent à marcher quand j'en ai activé un premier. Haha. Donc je vais aller activer celui qui est là-bas. Comme ça, j'aurai pas besoin d'y retourner avec... là. Allô. Putain, il me fait peur à chaque fois, lui. Est-ce que vous bougez, vous? Ah. Vous bougez pas, tiens. Vous bougez pas? Comment ça se fait que vous bougez pas encore? Vous bougez quand on active le dernier, peut-être? Bizarre cette histoire.
Au fait, ça, c'est fluide ou pas depuis tout à l'heure? Je vous ai pas demandé. Attends, j'ai du quoi dans le chat? Pour security break. Ah putain, ça va trop. Ah oui, bah oui. Oui, ça lag. Ah, puis en plus, vous me dites oui. J'avais lu un commentaire qui avait l'air drôle dans le chat. Apparemment, il y a des gens qui... Apparemment, Security Breach, il est speedrunné en catégorie bug. Tellement il y a des problèmes. Ah, c'était un oui, c'est fluide. Ah oui, d'accord, on s'est pas compris, pardon. Oh, donc c'est quand je m'approche, du coup, que tu t'actives, toi. Mais quoi? Non! Pourquoi? Mais t'étais loin! Pourquoi il m'a attrapé? Parce que j'ai mis le masque et... Et quoi? Quand je mets le masque, il marche, non? Il se balade? Ah, j'en avais un derrière! Ah, j'en avais un derrière, quel plaisir! C'est pas grave, on va juste refaire pour la quatrième fois toujours la même chose, mais... Mais sinon, FNAF, c'est génial comme jeu, non? C'est trop bien. Je veux dire, on prend du plaisir et tout. Enlève les vibrations. Eh, t'as raison. Mais les vibrations, elles me sont utiles un peu pour savoir si le mec arrive. Est-ce qu'on peut enlever les vibrations? Peut-être ça changera rien. Vibration. Je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit. En vrai. Eh! Et là. Quoi? Bah attends, mais pourquoi vous activez maintenant alors que tout à l'heure vous l'y étiez pas? Je comprends plus la logique du jeu là. Tout à l'heure il était pas du tout activé. Merde, faut que je commence avec lui. C'est random? Ah bon? Ah oui, je suis con. Ouvre-toi. Là, je te bloque. Chut. Mais comment je vais faire les deux? Stop, 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 attends, attends. Ouah, mais ça court de tous les côtés. Comment je suis censé faire? Parce que j'en ai aussi qui sont là-bas dans les conteneurs. Comment je suis censé faire? Ouah. Je suis trop content de le refaire ce passage. C'est mon passage préféré du jeu. Vous pensez que ça peut devenir le Game of the Year ou pas? Vraie question, hein. Jeu de l'année, hein. Oh. Ta gueule! Moi je pense que c'est mieux que Zelda Tears of the Kingdom. Ah merde, je l'ai fait à l'envers. C'est quoi les autres concurrents des Game of the Year? C'est quoi le concurrent à Zelda cette année? Y'a quoi d'autre comme jeu qui est ultra bien noté? Ah, Emote Only, je peux plus parler avec vous. Attends, j'en ai oublié un. Je viens de capter que j'en ai oublié un. Oh putain, mais oui, je suis con. Y'a ça aussi.
recule, recule, recule. Ah non, que j'ai le masque ou que j'ai pas le masque, je vais me faire foutre en fait. C'est ça l'histoire. Tant qu'à faire, je vais faire ça en attendant. En attendant qu'ils partent. Oui, ça va. Ah oui, mais plus proche encore, non? Bon, vous vous allumez pas, vous, on est d'accord. Ah, vous bougez pas. Si? Non? Non? Ok. Et toi non plus? Ok. Et toi là-bas non plus, ok. Ah mais t'es déjà là, toi? Ah là, mais du coup, j'ai plus les vibrations dans la manette. Du coup, je peux pas savoir quand quelqu'un... Ah ouais, non, 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 non. Ah, désolé, je remets les vibrations. Trop besoin de savoir quand quelqu'un me poursuit, en fait. Je mets les deux joysticks à la fois, ça fait aller plus vite. Ah ouais, 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 c'est trop important. Ok, je peux... Oula, oula, attends. Non, ta gueule. Non, non, vraiment, ta gueule. C'est pas le moment de me parler. Juste laisse-moi, en fait. Non mais please, juste... Oh putain de merde, oh putain de merde, oh putain de merde... Oh putain de merde! Et il est où le dernier truc à... Merde, j'ai fait les trois en fait. Qu'est-ce que je fous là? Je suis persuadé qu'il m'en manque un. Désolé, dans ma tête, persuadé, il en manque un. Et là, de voir la porte et la bouée, je me dis, en fait, j'ai déjà fait les deux. Ah, mais t'es là, le... Oh non... Oh non... Oh non... Avance, avance, avance. Ah parce qu'on on peut garder... Si on garde le masque trop longtemps, on a des alus. Ma faute là, ça a été d'avoir gardé le masque trop longtemps. Ok. Oh! Trop content de recommencer là, c'est mon moment préféré du jeu. Ok, logique. Je me mets dans sa direction, ça marche. Ah mais attends, il y a tout ça en fait. En fait, depuis tout à l'heure, je faisais la bouée, mais ça marche comme ça. Ah! J'ai pas compris. Yeah. Yeah. On va pas s'approcher trop d'eux, histoire de pas les inciter à démarrer. Ta gueule toi. Oh non, ta gueule. Ta gueule. Casse-toi. Je joue sur Steam, pour celui qui vient de me demander dans le chat sur quelle plateforme je joue. Mais Avec sa vieille gueule, avec ses vieux yeux là. Bon, déplace-toi. Ça casse-toi maintenant. Non, je pouvais plus courir moi. Et pourquoi il s'active des fois? Sans raison, c'est incroyable. Ta gueule! Vraiment là! Non mais t'es lourd! Tu saoules! Oh t'active pas toi, celui qui est à droite, t'active pas, je te le dis. Ça vibre de ouf dans ma manette.
Oh, sauvegarde le jeu. Ouais, portes sont ouvertes, c'est énorme. Sauvegarde le jeu. Sauvegarde le jeu. Ah mais attends. Ah, ok, c'est fermé, donc ils viendront pas. Ok. C'est bon, on l'a fait. C'est fini. C'est fini, Five Nights, là, c'est la fin. Voilà, on a vu le film. Oh, regardez, c'est le film qui va y avoir au cinéma. C'est la récompense pour avoir fini le jeu, c'est qu'on voit le film en avant-première et tout, c'est énorme. Waouh, trop bien. J'ai fini le jeu. Les gars, j'ai juste fini le jeu, en fait. Un peu rapide. Un peu rapide. J'ai pas assez j'ai pas trop profité. Enfin... Attends, il y a un truc invisible. Allez, le soleil. Il est où? C'est pas le soleil. C'est pas le soleil. Allez, je veux dire que le soleil est là. Au hasard, énorme. Après, la lune. C'est où ça? C'est pas la lune, pas du tout. C'est la lune. Dans ta gueule! Ferme-la! Casse-toi, je vais crever! Casse-toi, je vais crever! Ça servait à quoi de faire ça? Qu'est-ce que c'est? Mais tu me laisses pas le temps de profiter, toi! Faut que j'aille là? C'était fermé, peut-être? Ok. Bah, en fait... Faut que je fasse... Faut que je monte sur son bras... C'est ça, hein? Non? Avec quoi? Il y a un passage là. Non, c'est toi. Quoi? T'es déjà là? Oh, j'ai Keblo. Oh, j'ai Keblo. Enlève-moi ça, enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. On peut pas avancer, il est bloqué lui aussi. On peut pas l'enlever, putain. Je peux pas aller plus loin là. Non, je veux pas. Et comment c'est possible que les... Pourquoi c'est lui qui me tue? Pourquoi c'est pas le lapin? Comment c'est possible que les vibrations dans ma manette puissent altérer les FPS à l'écran? Du like, va, je comprends pas. Comment c'est possible? C'est incroyable, hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un bug qu'il fallait chercher à créer, il faut avoir l'idée. Si la manette vibre trop, visuellement ça lag, mais que pour le stream, pas pour le streamer. Faut que je refasse ce machin là ou pas? Eh, pourquoi on l'a pas vu ça tout à l'heure? Bah, je suis passé à côté. Ah yes, trop content. C'est mon jeu préféré, je suis trop content de le refaire celui-là. Je sais pas vous. Il est où? Il est où? Il est là-bas. Donc du coup, j'imagine que la suite du jeu, c'est pas là. Si? Ah, peut-être qu'il faut sauter là. Non, ça m'a pas l'air d'être là. Mais ce qui me gêne, c'est qu'il y a un tuyau là. Non, c'est pas là du tout. Ça peut pas être là. Non mais le fait d'avoir fait la machine... Ça fait apparaître ça. Faut que j'aille dans sa bouche. Oh
Regarde, on dirait qu'on peut y accéder. Dégage. On dirait qu'on peut y accéder. Oh, mais oui. Et si je me mets là, je me téléporte directement. Non. Je téléporte directement dans sa bouche. Et voilà, on y est. Ouais, non, ça plaît pas au jeu. Non, 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 oh, non, non, je, pardon, je rigolais. Non, non, je rigolais, je voulais pas le faire le con. Bon, c'est ma faute. Là, j'ai rien à dire, c'est ma faute. C'est moi qui ai cherché. C'est moi qui ai cherché. Bon, bah, on va attendre de mourir, hein. Peut-être qu'il peut pas me tuer parce qu'il peut pas passer à travers et je suis... J'ai gagné. J'ai gagné le jeu. Il est incapable de me tuer, il est trop deg. Mais c'est marrant que ce soit eux qui me tuent. Pourquoi c'est eux qui me tuent? J'adore. J'adore Security Breach, c'est mon jeu préféré. J'aimerais trop perdre la mémoire juste pour pouvoir refaire ce jeu. Parce que je l'aime trop. J'aime trop. Oh non, j'aime trop. J'en ai marre de trop aimer le jeu. C'est chiant de trop aimer là. J'aime trop, je... Trop de sentiments positifs envers le jeu. Ah mais là par contre... C'est dans votre tête, enlevez le masque et regardez autour de vous. Hey. Hey, mais autour de moi c'est Security Breach, le meilleur jeu du monde. Eh oui. Ce conduit grince un peu. J'espère que ça va pas tomber. Ah bon. Oula, quelle erreur j'ai fait de vouloir mettre le masque. Impossible. Ok. On est sur quoi? Sur un rail? Il y a un vrai problème de luminosité dans ce jeu. C'est impossible. C'est impossible que mes paramètres de luminosité soient corrects là. Ah pardon, je veux dire, waouh, j'ai jamais vu une telle gestion de la luminosité dans un jeu vidéo. Vraiment, c'est un peu comme une révolution ou quoi là. C'est le meilleur jeu ou... Enfin, vous vous rendez compte que mon expérience de jeu vidéo sera marquée, hein. Il y aura un avant et un après Security Breach. Vraiment, waouh. Il faudrait que beaucoup plus de développeurs s'en inspirent. Ou du moins qu'ils étudient le cas précis de ce jeu pour savoir ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire dans leur propre jeu. En vrai, je suis à combien là ? Du jeu, je suis à 25%. J'ai fait 1h49, mais je considère qu'il y a 49 minutes qui sont perdues parce que j'ai fait que mourir en boucle. Du coup, s'il y a 5 heures de jeu, j'ai fait 1 heure. Ah oui, du coup, c'est 20%, pas 25 du coup. Moi, c'est juste pour savoir combien de temps je dois souffrir encore en fait. 10%. Non, je pense que tu exagères. 5%, ouais. Moi, je dirais 1%. Je suis au prologue. En fait, c'est un peu... C'est le tuto, quoi, en fait. Je suis encore au tuto du jeu, non? Oh, t'en as 4 à placer, toi.
Oula, 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 oula. Ah, mais merde. J'ai pas fait exprès. Ah oui, Moon, oui, je veux une vraie réponse, oui. Merci Enoti64 pour les 6 mois de resub. Merci Jotaro de chez Wish pour les 3 mois de resub. Merci Rizzy TV pour le Prime. Bienvenue. Cassie, où es-tu? Gregory, j'ai made it to Catwalks. Tu as dit que je pouvais aller à la raceway from here. Bon, du coup, je peux passer par là ou pas du tout? Mais attends, je comprends pas. Ah d'accord. C'était pas un chemin en fait. Pourquoi tu te forces à jouer à ce jeu? Quoi? Me forcer? Moi? Mais du coup tu parles. Mais j'adore FNAF. Enfin j'adore FNAF 9 en fait. Les autres FNAF ne lui arrivent pas du tout à la cheville en fait. Oh, il y a peut-être qui flotte là-bas. Of course not. So, security node and tracking controller. Whatever that is. Voilà, clairement, on peut pas aller par là-bas. Mais on dirait qu'il y a un chemin. On peut le faire tomber, ça? Le sol est super glissant. Oui, ça, c'est vrai. Ouais. Non, je pense pas que je puisse passer par là. Je peux pas le faire tomber, ça. J'ai pas beaucoup de possibilités d'endroits où aller. Hein. Oh, mais toujours plus! Merci, mec. Merci, mon gars. Trop fort. T'es le meilleur. C'est quoi ça? Les caméras? Quel intérêt? On peut pas appeler, on peut. C'est pour faire joli. C'est très joli. Et là, je reviens là où j'étais tout à l'heure. Je crois. Hein? Maintenir désactivé? De quoi? Eh, mais attends. Qu'est-ce que c'est tout ça? Pourquoi il y a ça là maintenant? Ah, dans le bleu, ils ralentissent. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a pu faire? Et pourquoi, à un moment donné, quand j'étais là, il y avait écrit, il y avait une action? Désactiver? Mais qu'est-ce que je désactive là? Ah mais c'est lui qu'il fallait désactiver? Putain mais j'ai trouvé le truc sans faire exprès? Vraiment? C'est génial ça! J'ai désactivé un des trucs sans le vouloir. Mais tu sais qu'il y avait même pas de... Ok bon j'ai vraiment pas fait exprès. J'espère que les trois autres ce sera pareil. Et du coup... Non mais... Le jeu, arrête, vraiment, là c'est plus drôle. Y a, ça m'a ouvert un truc là, ce que j'ai fait. Là-bas, ça servait à quoi? Tu veux pas disparaître? Oh putain, oh putain. Mais tu te fous de ma gueule le jeu? En fait, t'es juste un slender. Mais maintenant, il y a des rampants.
Mais le rampant, on... Excuse-moi, comment on fait pour s'en débarrasser? Non! Oh! Lumière qui s'est éteinte, trop bizarre. Pourquoi quand je tape le bureau, ça éteint l'ampoule? Là aussi, je comprends pas les liens logiques. La manette vibre, ça change le visuel, enfin c'est... Bonsoir, 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 bienvenue pour ce... Au cas où, hein, si vous voulez bien voir hein, de plus près. Let's go. Non, le jeu bug pas, le DLC est bien mieux qu'avant, le jeu bug pas du tout, hein, au cas où, si vous posez la question. Accès, violation, mais qu'est-ce que j'ai branlé encore? Pourquoi il écrit Epic Game? J'accepte d'être contacté par Epic Game, mais le jeu est sur Steam, pourquoi il écrit Epic Game? Oh là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? De quoi on parle? Send and close. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah, parce qu'une rallongine, c'est à Epic Game. Ok. Évidemment. Cela va de soi. Pourquoi il a pété le jeu? Parce que je suis mort? Ou parce que j'ai rallumé la lumière? Il a rallumé la lumière, les gars! Blue screen. Ah, j'attends le blue screen du PC, là. Si le stream, il blue screen, je relance pas de stream, hein, je vous le dis, hein. C'est impossible. Mais déjà que le début du live, ça a été d'une galère pour moi pour le lancer, je vous avoue. J'avais pas la caméra, j'arrivais pas à la streamer. Ça m'a pris 10 minutes. Et quand j'ai pu la streamer, j'allais lancer le live, j'ai vu qu'en fait le micro était pas connecté. Et j'arrivais plus à la connecter. Et j'ai dû changer un milliard de fois les ports USB et tout, relancer le PC 10 fois. Et quand j'ai réussi à récupérer mon micro dans OBS, c'était parfait. La caméra marchait plus. J'arrivais plus à voir l'image. J'arrivais pas à voir soit l'image, soit... Enfin... Jouer à Ruine. Continuer profil 1, chapitre 3. Bon, heureusement que ça sauvegarde. Hein. Alors... oula. Oh putain. Est-ce que ça m'a sauvegardé? Non, pas du tout. Donc en fait, c'est le truc jaune qu'il fallait... C'est ça? C'est ça? Qu'est-ce que je désactive? C'est quoi le truc que je désactive en vrai? C'est le truc en dessous? Ouais, c'est ça que je désactive. Je suis pas sûr que ce soit très normal de le désactiver par en bas. Je vais enlever ça. Alors, réelle question encore une fois. À quoi tu sers, toi? À quoi ça sert de t'activer? Ah mais il faut qu'il soit dans le bleu. Pourquoi j'ai eu autant de mal la première fois? C'est long. J'avais pas autant galéré. Et du coup, qu'est-ce que ça change ça? Rien? Vraiment? Vous dites-moi le juste ça, à quoi ça sert en vrai? Au final. Ça doit ouvrir une porte parce qu'après il y a des rampants. Donc ça doit ouvrir une porte quelque part. Ça ouvre des passerelles, ok. Good. Bon là pour l'instant il n'y a pas le rampant. Des passerelles. Ah!
Ça va ouvrir ça? En fait, c'est le seul endroit où je sens qu'on peut passer, mais que pour l'instant, je peux pas passer. Ah non, ça l'ouvre pas. Et oui, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'attends? Mais Grégory, calme-toi en fait. Qu'est-ce que j'attends? Il est bien mignon lui, mais... Attends, pourquoi? Pourquoi il est 4 fois rouge? Mais j'ai foiré l'autre? Je l'ai pas activé? Ou alors ça, c'est un truc qui n'a aucun rapport? Faro, tu fais nimp. Non, mais je te permets pas de dire Faro, tu fais nimp. Faro, tu essayes juste de comprendre le jeu, et le jeu, il est pas intuitif et il comprend rien. Voilà. Tu peux pas dire Faro, tu fais nimp. Tu connais le jeu, c'est bien, mais... Non, tu peux pas me dire que je fais nimp. Je vois pas où est-ce que j'ai ouvert un accès. Et là, je suis sûr que je peux pas sauter. Oui, je sais qu'il faut désactiver les nœuds. Oula! Attends, faut utiliser le pistolet et tirer sur les cibles. D'accord, et j'ai un nombre bien précis. Ça c'est marrant, mais putain, mais il faut le voir en fait tout ça. Tiens, je vais aller là-bas. Putain, ça glisse de ouf. C'est lui? Ah, faut aller de l'autre côté. C'est une poubelle allongée. Oh, oh. J'ai enlevé le masque une seconde plus tard, j'étais mort. Je tombais dans le vide. J'ai eu du cul. Je vais prendre un peu de recul au cas où il est encore là. Ok, c'est quoi ça? Un seau? Bah oui, bien sûr. Putain, ça glisse bien. Et là-bas, il y a une poubelle couchée, je crois. J'ai trop peur d'enlever le masque et qu'il n'y ait plus de plateforme au sol. À quoi tu sers toi? Juste voir les cams hein. Ok. Et ça? C'est... Ah bah attends, il n'y a pas un truc là? Ah voilà. Je me disais bien. La poubelle est là. C'est elle qu'il faut changer. C'est réel ou c'est un fake ça? Ok. Cool. Oula, what? Ok. Ok, très bien. Oh, mais... Pire endroit pour apparaître, en fait, monsieur. Juste. On va attendre un peu. Merci Elaya pour les 14 mois de resub. Merci beaucoup. Merci Merli Mayo pour les 13 mois de resub. Il devrait y avoir un pistolet quelque part. Et j'ai peur de l'avoir loupé là-bas. Oh oui, j'ai peur de l'avoir loupé là-bas. Et je le vois. Et je l'ai loupé. Vu comment étaient orientées les têtes de crocodile, ça se sentait que je l'avais loupé. Quoi? Allô? Puis il veut pas me laisser tranquille lui.
T'es parti? Alors je recommence. C'était pas le bon bouton. Pas cool, tu m'as enlevé une balle. Ah mais je vise mal pour ça. Pratique. Allez. Tu vas m'amener où comme ça toi? Hey, un nouveau tuyau rouge. Oh là, c'est quoi ça? Chut, chut, tu te tais. C'est quoi ça? Bah c'est du invisible. T'es encore là? Oh, t'es long à partir. Ok. Et donc ça, je le... C'est un téléporteur ? Excellent. Oh, il est lourd. Oh, il me laisse pas une seconde de répit. Il y a un truc là-dedans. Je suis pas sûr que. Je suis pas sûr que ce soit par là qu'il faut que j'aille. Il des têtes de crocodile. Par contre j'ai de la chance parce qu'il y a. Ok. Fait peur. Il y a pas les rampants. C'est ça que je voulais dire, j'ai de la chance parce qu'il n'y a pas les rampants. Alors je sais pas si c'est un bug ou si c'est aléatoire, ils les mettent pas, en fonction de combien de fois je meurs. Mais ah ouais, vraie question, en fait, lui là, le lapin glitch trap, il peut me tuer? S'il me touche, il se passe un truc ou je suis pas obligé de continuer à... Il en manque encore deux, mais j'en ai pas fait trois moi. Bizarre cette histoire. Ah d'accord. Faut trouver le bon moment pour tirer quoi. Ah je sais que je l'ai traversé 4 fois sans mourir, mais à chaque fois je me dis c'est un bug. C'est un bug, il arrive pas à me tuer, je sais pas. Si tu le touches, il appelle les animatroniques. S'il te touche, il y a juste un animatronique qui apparaît. Ah, oh bah alors vaut mieux pas qu'il me touche dans ce cas-là. Ah non, c'est chiant. Ah, c'est pour ça qu'il y a les rampants et des fois il y a pas les rampants. C'est ça l'histoire. C'est s'il me touche. Je visualise mal. Voilà, ok. Waouh. Oh mon dieu, encore un téléporteur. Oula, c'est bizarre cet endroit là, ça, il va me... Eh oui, bien sûr, c'était sûr. Mais les couloirs, c'est tellement cliché qu'un truc va te foncer dessus. La zone est sûre maintenant. Ben merci mec. Tu te rends utile enfin. Enfin tout ça pour un cadeau. C'est énorme. C'est faux. Non, il y a forcément autre chose à faire. Je suis sûr que je peux y aller là. Ok. Ah mais... D'accord. Vous vous rappelez? C'est celui que j'ai fait à travers l'escalier. Donc ouh. Est-ce que je reviens là? Non. Si, peut-être. Il va apparaître là. En moi. Oula. Alors le prochain il est où? Eh hey, mais il en manque deux.
Je suis perdu. Comment ça, il en manque deux? Toi, t'es bleu, donc c'est bon. Toi, t'es bleu, ok. Toi, t'es rouge. Et l'autre, là-bas, derrière? Ah, il est rouge aussi. Mais quoi? Vraiment? Je vais enlever le masque. Ah, de toute façon, ça sert à rien de venir là. Faut que je repasse par là-bas. Oh, je sens que je vais me retaper tout. Oh putain! Je vais me retaper toute la route là, je sens. Va falloir que je prenne des chemins alternatifs. Bah, déjà, je suis pas venu là. Mais enfin, le cadeau, c'est trop important dans le jeu, le cadeau. Voilà, la piñata soleil là, là, je me sens bien. Là, je suis heureux de jouer à FNAF, à ma licence préférée. Là, c'est plus mieux. Est-ce que je suis allé vers là-bas? Oula! Oh, c'est bizarre d'aller là. Oula! Oh, je... Attends. Non, c'est de la merde. Surtout pas aller là. Je cherche des tuyaux rouges. Voilà, il n'y a que du vert. Tout ça, on l'a fait. Ah putain, ouais, on est passé par là. Il n'y a pas d'autre chemin que j'ai oublié de faire? Genre là, ici, il n'y a pas un autre chemin quelque part? Ah, j'ai voulu regarder derrière la porte. Par contre, le lapin bleu, il est aux abonnés. Ah, il y a un rouge là. Il vient plus, le lapin bleu, là. Ah, c'est les deux rouges qui viennent de là-bas. Voilà, bah écoutez, on va trouver. Donc ça, tirer, je l'ai fait. C'était il n'y a pas si longtemps. C'est dur de visualiser. Et je suis allé là-dedans, mais je suis pas allé ici à gauche. Ai-je eu tort? Attends, mais ça, faut le réparer? Ah non. Je pourrais repartir en arrière. La chaise. Mais oui, la chaise! Je suis bête, c'est bien connu. Yeah, la chaise. Et il en manque un. Il en manque un, mais... J'ai vu qu'il y avait le... Il faut que je vois le tuyau, là. Voilà, le tuyau, il descend là-bas. Et ça m'étonnerait qu'il faut que je passe par là. Il faut que je fasse gaffe parce que je vais tomber, hein, moi. Le tuyau, il est là-bas. Et il va... Eh ben, il va dans cette direction. Hein. Ah ! Mais quoi ? Pourquoi je l'avais pas vu jusqu'à maintenant ? Et le lapin bleu, du coup, il est bugué. Hein. On est d'accord. Il veut plus venir. Lapin bleu, il a dû se bloquer dans un trou, dans un mur, je sais pas. Il est au chômage ou quoi, là ? Mais le fait que le lapin bleu il vienne plus, c'est sûrement un bug de mon PC. C'est sûrement ça. Ça me semble logique. Ah, Greg l'a désactivé. Génial, Greg. Attends, c'est quoi l'histoire? Je dois aller là-bas? Non.
Il était positionné comme ça avant le truc. Ah mais attends, ça se fait avec l'oreille maintenant, peut-être que la porte, la petite barrière elle est ouverte. Ah oui c'est ça. Ils comprennent pas dans le chat encore le spoil interdit j'ai l'impression. Tu as réussi, tu te rapproches. Comment tu le sais? Comment tu fais tout ça? Je t'expliquerai tout. C'est pas Grégory. Ah oui, au fait, ma théorie. Grégory, c'est pas Grégory qui nous parle. Parce qu'au tout début du jeu, il y a un perso, tu sais, le mécanicien, il a dit oui, j'ai récupéré des extraits de ta voix et j'en ai... Non. Non, s'il te plaît. Bon, c'est pas grave, on a sauvegardé il y a pas longtemps en vrai. Ouais, je disais, ouais, le gars il crée des voix et tout ça. Et je pense que la voix de Grégory elle est créée toute pièce. Parce que du coup, trop bizarre que Grégory il ait autant accès à des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire hein. Donc voilà, c'est ma théorie. C'est pas le vrai Grégory qu'on a au téléphone depuis le début. Merci NoGamePixel pour les 300 bits. Alors il est pas mal ce DLC. Il est trop bien. Putain, il est trop bien. Trop bien. L'attente valait le coup, il est énorme. Les petits cookies, merci pour les 8 mois de resub. C'est clair, c'est ça. You did great. You're getting closer. How do you know? How are you doing any of this? I'll explain it all. Ah, mais je suis passé par là moi. Attends, mais je suis où là? I gotta hide. Save me, Cassie, please. Ah, j'étais allé là-bas. Et là-bas, il y avait rien, on est d'accord. Tellement qu'il y avait rien qu'il y a des bugs. T'as vraiment des oreilles de panda sur ta tête. Oh, y'a un code là. Elle sert à rien cette pièce. Bizarre. Oh putain, mais... Eh bien, je l'avais pas vu la porte. Qu'est-ce qui se passe? C'est un temps de chargement parce que je monte les escaliers? Waouh. Sans me déconner. Oh, l'immersion est totale. Putain, mais il est trop fort. Eh les modos, si c'est trop le bordel pour vous le chat. Hein. On s'en fout, hein. On autorise à foison le spoil dans le jeu, on met le chat en 0 seconde et il n'y a plus rien à modérer au pire, hein. Vas-y. Hein. Bon, de toute façon, hein, si je dois être spoil, je m'en fous. Je suis pas sûr à 100% qu'on fera un deuxième live sur le jeu, je suis désespéré. Donc c'est comme vous le sentez. Hein. Ah oui, ça sera pas cool pour les autres qui veulent pas être spoil, c'est vrai. Ok, j'avais pas pensé à vous, je suis désolé. Ok, j'étais égoïste.
Oui, oui, tu peux faire un sub-only si tu veux, oui, bien sûr. Alors, ça commence à faire un moment que je me rappelle plus des endroits, hein. Tout ça là, moi. Pourtant, il y a les bornes de sauvegarde. Ah, oh, merci. Eh, ça fait deux fois que tu m'aides, toi. Mais à chaque fois que je te vois, il y a un screamer. Tiens. Je suis pas tombé en arrière. Encore ? Ah, ça se joue à pas grand chose. Ben, en fait, c'est par. J'aurais dû commencer par là. C'est dommage, on sait pas toujours trop bien ce qu'on fait en fait. Tu vois, je fais ces mini-jeux là parce que je sais qu'il faut les faire. Oh, ça a freeze. Oh putain, wow, le jeu, tu télécharges un gros truc là, le jeu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait pas trop ce que ça enclenche comme... Oui. Faut que j'aille où, là? Ah! À partir de maintenant, le backseat est autorisé jusqu'à la fin du live. Le spoil, non, mais le backseat, oui. Vous pouvez me dire sans cesse ce que je dois faire. Même si je le demande pas. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu parce qu'il était hyper éclairé, en fait. Chica était pas là, elle était au début du jeu, qu'est-ce qu'elle branle? Ah, ça me rappelle Poopy Playtime. Poopy Playtime. Hey! Désolé, t'es un peu surexposé. Oh! Oh putain! J'ai un bouton sur la manette pour... Oh putain, ça y est. 2h30 de jeu pour capter le bouton pour enlever la lumière. Pourquoi elle a fait le bruit du chien? Enchaîne les cinématiques maintenant, ça y est. Ou alors c'est juste que c'est la vitesse normale du jeu et que j'ai fait que mourir jusqu'à maintenant et reset. Mais qui a conçu ça dans le lore? Qui a créé un cupcake géant qui bouge les yeux et aux détections de mouvement et qui a des bras sur le mur? Tu me vois là? Ce bruit. Je peux
peux pas utiliser mon masque ici apparemment. Je peux pas y aller. Eh oui, regardez, il y a un mur invisible. Ah non, il y a de l'acide. Là aussi. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais j'ai loupé un jump. Non mais c'est incroyable. Il est trop sympa le jeu, il me censure les jumpscares à chaque fois. Pour les caméras, ça. Je veux pas te... Ah, il faut que je l'appelle ailleurs, peut-être. Ok, nous on est là. J'avais deux chemins. Ah mais j'ai peut-être pas pris le bon. Non mais... Non mais... Le jeu il me replace face à elle. Quelle grosse merde ce jeu, je te jure. Toujours... Elle était là-bas. Elle était là-bas, je fais ça. Hop, elle est derrière moi. Je fais ça et puis le jeu il me remet face à elle alors que je m'apprêtais à courir tout droit. Qu'il est nul le jeu, il est nul. Tu vois, la caméra elle sait pas où elle doit se placer. Qu'est-ce que... Mais plus proche encore. Plus proche, histoire qu'on comprenne mieux ce qu'on voit. Ah, c'est avec ça qu'il a interagi tout à l'heure. Oh, bah tiens. Attends, je fais un truc là. J'ai fait un truc. Il est plus bleu. Il était bleu, il est plus bleu. Let's go. En fait, tout le gameplay du jeu, c'est des trucs comme ça. Oh, 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 ça vibre fort, là. Oh, ça vibre très fort, là. Ça s'ouvre, ça? Non. Ça s'ouvre, ça? Quoi? Quoi? Ah, putain, mais... Tu m'as laissé 0 seconde de répit, toi. Et toi? Il faut réactiver. Ça a marché, j'espère. Ouais, ça marchait. Et après les autres, il faut repartir. Ouais. Est-ce qu'il y a Chica en temps réel aussi ou pas? Bon, on va attendre un peu qu'il disparaisse et je vais essayer de voir de loin où est-ce qu'il est le troisième objet. Hé, c'est toi ? Ok. Eh mais tu es trop rapide. Tu viens trop là. Je t'aime bien mais stop. Moi, de toute façon, d'ici, il peut... Ah ! Oula, attends. Non, je dis d'ici, il pourra pas m'attraper. Là, j'ai pas le masque. Et je me déplace, j'ai le masque. C'est con. Eh ? Ah, mais t'es là ! Mais...
c'est que cette histoire là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et sans doute, chica, j'étais collé le dos au mur. Je cherche même plus à comprendre. Hein. Bah, le truc, c'est que. Bon, oui, vous avez raison. Ah! Ah oui, il faut faire ça. Ah c'est vrai, Chica peut se téléporter. J'avais oublié cette histoire. Et oui. C'est si évident. Cinématronique, ça se téléporte enfin. Et est-ce que c'est bon ou il en manquera un? Il en manque un. Excellent. Ça va là-dedans, mais comment ça? Ah mais il y a ça aussi. Il y a 4. Mais alors du coup, en fait, ça. Mais attends, qu'est-ce que c'est ça en fait? Ça se déconnecte, mais ça sert à quoi? Ça, c'est des caméras qui font que Chica me voit ou des trucs comme ça. Allô? Ah, c'est pour un easter egg, ok. Merde. J'arrive pas. Sauvegarde, let's go. Je t'aime bien quand tu fais ça. Ah mais j'en ai loupé plein en fait, moi, depuis le début du jeu. J'arrête pas de dire, oh ils sont trop mimes avec le sang et le panda. Mais en fait j'ai juste j'ai juste tout loupé quoi, jusqu'à maintenant. Je l'ai compris que plus tard qu'on pouvait faire ça. Bravo, belle technicité, vous avez désormais accès à la salle des serveurs de... Wow. Pourquoi je peux pas enlever le masque, il est coincé sur ma tête. Oh oh. Cupcake, mon petit golf. Les notes de musique. C'est joli, en vrai. Je peux aller là-bas, comme je peux monter. Ouais, ça sert à rien. C'est vrai que le jeu, à la base, il est basé sur des animatroniques musiciens. J'avais complètement oublié ça. Une cascade avec un robot derrière. Ah, il y a des escaliers qui passent derrière la cascade. Ouais, je peux pas l'enlever. Musique, guitare, étoile. Ça aussi, ça a été très mal expliqué qu'il fallait forcément le faire de gauche à droite. Pardon, je râle. Peut-être que je critique trop facilement le jeu, je sais pas. Pardon. Quoi? Il y a un bruit. Le lapin est de retour? Où ça, il y a un lapin? Ah, le lapin... Le lapin bleu? Mais, ouais, d'accord. J'ai pas lu le... Putain mais c'est chaud, il y a trop de gens qui parlent. Ouais. Ah clairement c'est un temps limite là.
Et toi l'éclair guitare. Ça se voit que j'adore le jeu. Bah ouais, j'adore de ouf. Je suis trop content, j'avais trop hâte. J'y pensais toute la journée et tout, j'étais là, putain, FNAF. Trop bien à l'ancienne, on est là. Oh putain. Ça c'est que le jeu, il est en train de préparer, il est en train de télécharger la prochaine map. Et c'est pas pour rien qu'il y a, il y a juste un couloir qui tourne en rond. C'est juste pour laisser le temps au jeu de charger la map qui suit, mais c'est fou. C'est fou que ce soit aussi flagrant. Ça. Ah, Roxy, c'est le, la guitariste là, le renard vert. J'entends, mais je la vois pas. Ah, d'accord. Poor Roxy. Who's there? Elle est aveugle. Oh, je me rappelle de ce gameplay. Je me rappelle de ça. Gregory. No! Gregory, run! Roxy's after you! Gregory, are you there? Cassie, I'm okay. I found a spot to hide. Turn off the nodes in the salon to follow Roxy. Hurry, she's close. Ok. Alors. Oh, il y a une main qui flotte. Il est où le machin là qui va nous permettre de... Oh putain, c'est une fausse porte. Ils sont où les nœuds? Where is the nœud? Where are the nœuds? Faut que j'aille dans la porte où elle est partie? Bah non. Alors c'est pas là. Ah oui, c'est vrai, c'est l'autre. Peut-être qu'il faut que j'aille... Oula putain, what? Ah mais c'était juste des toilettes ici. Oh, c'est un peu décevant. Sauf qu'il y a deux portes. Ah il y a deux... Quoi? Quoi? Alors ça... Ça ce seront les toilettes des hommes. Et ça... Ce seront les toilettes des femmes. Mmh. Pratique. Ah, mais la porte était blanche tout à l'heure. Hey. Oh putain. Elle fait grave peur, elle. Elle court, mais au hasard. Mais quoi? Je dois faire quoi, moi, d'ailleurs, du coup? Je dois pas faire de bruit ou... Hey! Je me rappelle de cet endroit. Oui, je me rappelle. Il n'y a pas autant de bordel, mais je m'en rappelle. En tout cas. Voilà, ils se rejoignent tous au même endroit. Oh ta gueule. Vraiment, 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 vraiment ta gueule. C'est bon, t'es parti. Putain, je peux pas le... De prendre par derrière. Quoi? Quoi? Ah, elle peut pas enlever le masque de nouveau. Ah, c'est nous ça? Mec! Je me fais peur. Oh. D'accord. Quoi? Attends, y a un fil, mais... Ah mais non, c'est pas un des câbles, ça. Ah mais t'es là!
Je n'avais pas vu. Quoi ça? Oh sérieux? Mais quoi? Ah parce que je l'ai trop longtemps sur la tête. Ah c'est ça, putain. Ah, je peux pas l'enlever. Je peux pas l'enlever. Non, c'est pas Chica. Chica même me voit pas. Pas pourquoi elle me voit pas. Alors full Chica en fait. Ok. Tu peux ne pas venir là où je suis s'il te plaît. Attends mais. Ah mais il y a un chemin là. Cool. Hey Grégory et nous. Je sais pas comment on s'appelle nous. C'est quoi notre prénom? Cassie? J'allais l'enlever. Ah je peux pas l'enlever, merde. C'est ça le problème, je peux pas l'enlever. Il est où le truc à désactiver? T'es drôle. Peut-être qu'il est vers là. Oh putain, je m'en fous de ça. Oui, plus je baille. Mais avance! Merde, il est où le truc à désactiver? Pour enlever le masque. C'est un truc bleu normalement. Non, lui il est pas actif. C'est quoi la logique là? Il est censé être par la suite, non? Putain, sans déconner, je le vois pas. Il va vers où le rouge là? J'arrive pas à voir le sens. Merde, je peux pas passer. Oh non! Ah donc c'est ici qu'il faut que je trouve quelque chose. Ou alors j'ai cherché directement le câble rouge et puis voilà. On fait le jeu avec le masque, tant pis. Ah merde. Oh non, la galère. Je suis sûr faut que je l'enlève. Pour passer cet endroit. À toi. Et ça fait quoi au fait? Ça a ouvert un passage là-bas, là où je pensais qu'il fallait ouvrir un passage, ça tombe bien. Par contre le lapin il me suit plus, ça y est c'est fini, il est trop deg. Je l'ai saoulé. Et là il faut que je retourne tout au début là. En espérant qu'il n'y ait pas le mur. Hein. Faut que je retourne tout au début avec la tête de lapin. Il est bloqué. Ouais, je suis bloqué moi aussi en fait.
Ah, mais c'est fait exprès. Ah, c'est pas un bug. C'est Grégory qui l'a bloqué dans des ciseaux, mais c'est génial. Ah non, mais c'est fait exprès. Moi, je croyais que c'était un bug. Ah non, autant pour moi. Bon, j'avais pas rigolé alors. C'est prévu en fait. Ah, c'est décevant. Ah, non. J'aurais préféré que ce soit vraiment buggé par le jeu, tu vois. Pourquoi cette prise électrique flotte? Ah non, pardon. Putain, j'ai cru que c'était une prise électrique. C'est les pieds du... Oh non. Ça y est, je cherche des bugs partout, moi, c'est bon. Oula, jamais. J'y vais pas. Impossible. Ah mais je peux enlever le masque maintenant? Quoi? Ça y est? C'est bon? Ah bon? Ah, ok. Ouais, je suis fatigué. Ouais. Le jeu me fatigue, je me force. MPK. MPK. Ah, ça sauvegarde. De toute façon, hein, bientôt minuit. Hein. On va arrêter. Hein. On aura fait 11% du jeu. Ça me rappelle un endroit où on était déjà venu ici. Ah bah oui, c'est là où il y avait le... Bah c'est là où il y avait elle. Attends, je dois faire quoi du coup? C'est quoi le principe? Attends, il fallait faire... Fallait enlever les nœuds et après? Il nous a dit quoi, le petit Greg là? On l'a appelé, il a fait ouais c'est Greg. Et après il a dit un truc, j'ai pu écouter vraiment. Attendez, excusez-moi, il y a un cadeau. Répétitif le gameplay? Mais pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Il y a juste des nœuds. Ah oui. Ah oui, répétitif un peu, ouais. Peut-être ça a ouvert la porte qu'il y a là-bas. C'est... Ah si, putain. Oh mon dieu, mais c'est de là où je viens. Hey. C'est complètement de là où je viens, d'accord, je comprends. Que faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois... Où je dois aller? Faut que je reparte? Mais non! Y'a rien ici. Y'a écrit un objectif, désactiver les nœuds primaires, suivi Roxy. Ah! Bon, au moins le jeu, il a le mérite de me dire quoi faire. Ah mais oui, c'est vrai que j'étais parti à droite. Mais là... Attends, c'est quoi ça? Y'a quoi là, ici, déjà? D'accord. En fait, fallait que j'aille là. Non, fallait pas que j'aille là. Elle est pas partie par là, Roxy? Faut que je me retape tout le trajet, là? Quoi? Ah, mais attends, le lapin, je l'ai pas déjà désactivé? Putain, dans ma tête, moi, c'était déjà fait, en fait. Putain, je l'ai fait tellement de fois, ce truc-là, que... Non, non, vraiment, dans ma tête, je l'avais déjà désactivé 20 fois. Pas possible. Ah, d'accord, par derrière, tu veux pas? Ok, c'est... Je note. Non, mais je veux supprimer. Ah, il faut que je me mette dessus pour... D'accord. Trop bien. Merci Arcanim pour les 10 mois de resub. Merci Xia64 pour les 2 mois de resub. Merci Sniper Olif pour le Prime, pour la première fois de ta vie. Bienvenue. Merci Danko74 pour les 1000 bits. Merci JustMeM qui a resub pour son 21e mois. Merci Cyriel Grazzini qui a resub pour ses 1 an, bon anniversaire. Nogam Pixel, merci pour les 300 bits. Allez, je pense que ça devrait être bon. Alors. Ah, je croyais que c'était un cadeau. Hey!
fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de couloirs. Je n'entends rien, j'espère que ça... J'arrive pas trop tard. Après que t'aies fini le jeu, tu vas faire les easter... Oh bonjour, tu vas faire les easter eggs, s'il y en a. Mais je les fais déjà les easter eggs. Tu sais, quand je me bloque derrière un placard, derrière une commode, c'est un peu un easter egg. Quand je me bloque dans une statue en remettant le masque, c'est un peu un easter egg en fait. Ces développeurs, ils cachent des petits bugs et tout, à nous de tous les retrouver quoi. Oh, putain, j'ai cru que c'était le sol. Ah, et donc tu touches l'eau. Allô ? Tu touches l'eau, c'est terminado. Ok. Faut que j'aille là-bas, mais... Merde, j'ai pas... Merde, putain, quel con. Oh, non, mais gueule aussi, hein, non ? Oh, ça allait super vite. J'avoue, ça me rappelle un peu Spooky's House of Jumpscare. Il y a un boss comme ça dans l'eau. Tu peux flotter un peu dans l'eau de temps en temps. Ah ouais, non mais lol. Mais je peux le faire de là peut-être. Est-ce que le jeu attend de moi? Oh, genre tu peux pas le battre d'ici la clé. Je suis dans l'eau là ou pas? Oui, je suis dans l'eau. Ouais, la musique elle est ultra puissante. Hein. Impossible. Impossible, j'ai jamais le temps. Oh, le temps d'enlever la. Non, non, il y a autre chose à faire. Il faut aller l'occuper le machin. Je dois trouver un moyen de l'occuper. Ou alors il fait juste des va-et-vient et peut-être ça me laisse le temps. J'ai pas touché l'eau, mec. T'es pas censé m'entendre. Hein. Bon. Ça se tente? Bon, ben, allez. Hein. Si c'est comme ça. Hein. Ouais, d'accord. Je suis pas content. Tu touches pas, Mono. Ah oui, mais 1000 ans à venir en fait. Il aime trop crier. Je suis pas content. Allô? Il reste pas dans l'eau par contre. Hein. C'est fluide, hein? Pourquoi tu me mets la caméra dans mes yep? Tu as quoi à me montrer là? Oh, c'est fluide, stop là. Arrête d'être aussi fluide le jeu, stop. Stop le jeu! Ah, bonjour toi là-bas. Merci. Yuki07 pour les 9 mois de resub. Et merci à Maytube qui a sub en prime. Oh putain, j'ai tapé la caméra. Pardon. J'ai tapé l'œil, désolé. Alors tu vas me faire peur? Oh le pauvre. Oh il... Bah c'est ton métier maintenant. Tu resteras là tout le temps.
Oula. Ah, barricadé. Comment elle s'appelle déjà le personnage qu'on cherche? Roxy. Roxy. Roxy, où es-tu? Roxy, Roxy. Gregory? 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 Tu vas bien? Are you okay? Are you okay? Il ne répond plus. I might be able to get a signal if I head deeper into the raceway. Peut-être, peut-être. Pourquoi le livre il est orange? Regarde, le livre est orange et quand je m'approche, paf, bleu. Orange. Bleu. Oh, oh ouais non. C'est peut-être la distance d'affichage, j'avoue que là je pinaille. Hey, j'aimerais bien la voir en vrai celle-là. La figurine de la peluche de Foxy avec un vrai crochet. J'ai cru que c'était une clé sur la chaise. Do you need Avez-vous besoin d'aide? Do you need assistance? Ah. Be quiet. Ouais, j'avoue, tais-toi un peu. Ça m'a fait rire, ça. Ça faisait combien de temps que j'avais pas rigolé dans ma vie? Au moins 2h57 minutes et 59 secondes? Non, c'est pas du tout la durée de la rediff. Ça, ça aussi, ce gameplay, il est pas trop répétitif. C'est déjà ça. C'est bien. C'est de l'ironie, hein, au cas où. Par contre, ça manque de... Oh. Faut que je l'appelle ailleurs, peut-être. Oh putain, elle fonçait vers moi là. Faut que je l'amène où et pourquoi? Ok. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle a pété la porte, bien joué. Oh c'est bon, ça va, je m'en fous de ça. Hein? Waouh! J'entends le PC qui souffle fort là. Qu'est-ce que je dois faire? Au moins, elle pète des portes. Déjà ça. J'avais oublié cette histoire. Ah ouais, j'avais le masque, bien sûr. Une voiture dans Toy Story qui, tu sais, celle qui bouge toute seule, celle qui est télécommandée. Hey, ça a l'air trop bien ce gameplay, c'est quoi? Ah, il faut remplir des jauges et tout. Oh putain, trop bien, c'est ingénieux. Give me back my eyes! Ah, let go, let
Oh. Oh. Oui. Pourquoi elle est gentille comme ça? Ah, c'est là qu'on avait rendez-vous, le Roxy Raceway. J'avais dit qu'il était vers là. Yes, I can. What happened here? It looks like the whole place fell in. Tout s'est effondré. Quelque chose a creusé et a tout cassé. Je suis coincé. Bah, à votre avis, on en est à combien du jeu là? Ça serait peut-être le moment de s'arrêter, non? On n'a pas le temps d'appeler la police? Non. Am I even close? Where are you? This place is huge. Down there, single under the raceway. Oh, 65%, mais c'est beaucoup plus que tout à l'heure. Helpy. Faut que j'aille sous le circuit, hein. Bah. Faudrait que je m'arrête là alors, hein. J'en ai pour combien de temps encore à votre avis? 2 heures? 2 heures de jeu? Prenez en compte que je suis une merde et que le jeu bug et que j'arrête pas de mourir aussi. Hein. Prenez en compte ça. Une heure, deux heures, une heure et demie, 1 heure, 2 heures 30, 1 heure, même moins. 50 heures. 2 heures, 1 heure 30. Ouais, bon, la moyenne de vos messages, c'est 1 heure et demie, quoi. 2 siècles. Moi, je vous dis un PC. Ça va me coûter un PC, en fait. En tout cas, je pourrais pas finir ce soir, non. Je dois arrêter à minuit dans tous les cas. Donc on va arrêter maintenant. Est-ce que... Comment on fait pour savoir si le jeu il a sauvegardé là? Il m'a fait parler avec Grégory et tout, il y a eu une sauvegarde, on est d'accord. Vous avez vu s'il y avait eu une sauvegarde récemment ou pas là? Non, dis pas, oui, sauvegarde tout seul. Non, mais bon, il peut sauvegarder tout seul, mais tous les 3 quarts d'heure, c'est chaud, tu vois. Alors, on va faire respirer le PC. Ah putain, c'est même pas je viens à l'écran titre, c'est je me casse, quoi. Je me casse du jeu, c'est waouh. C'est écran noir, paf, y'a plus rien. Mon Dieu, quel supplice. Je le fais pour vous, hein. Je vous avoue, je le fais pour vous, mais quel supplice. Trop hâte d'avoir la rediffusion YouTube, de voir les gens qui vont me chier dessus. Une fois rotule, laisse pas sa chance au jeu. C'est juste la malchance qu'il soit buggé. Je regarde plein d'autres streamers, c'est jamais buggé chez eux. C'est sûrement ton PC. En plus, tu finis jamais rien, Farod. Ah... Ouais, bah oui, je vais faire la suite du coup. Bah, s'il reste que moins de 2 heures, je vais la faire la suite. Bah, je souffre tellement pour. J'ai tellement attendu avec tant de hype qu'il arrive le jeu que. Ouais, je vais faire la suite. Alors, la suite, ce sera quand? Bah, le planning est pas fait, donc ça sera la semaine prochaine. Oh, ça a été rapide ça. Ouais, mais. Pourquoi il y a une transition ici? Ah, voilà. Ah, si je vais trop vite? Mais il bug OBS? Il y a tout qui bug. Moi, c'est mon PC. Vous avez raison, c'est mon PC. Bah, le live, ce sera certainement. Laisse-moi réfléchir. Ce sera certainement mardi. Comme ça, on attend pas trop longtemps. Pas trop longtemps, pardon. Ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi. Ouais, dans 4 jours. Comme ça, ça ira vite. Ça peut être bien d'aller aussi vite. Comme ça. Plus vite on y arrive, plus vite c'est fini, quoi, tu vois. Ouais, on fera ça mardi. On fera ça mardi, ouais. Tu préfères le jeu de base ou le DLC? Aucun des deux, les deux sont autant à chier. Faudrait que j'arrête de critiquer le jeu. D'abord je coupe la rediff et après on s'amuse à critiquer le jeu. YouTube, je te fais des bisous. J'espère que tu t'es bien amusé en tout cas. Moi je me suis... je me suis régalé, trop bien le jeu. J'adore. Non, en vrai, j'adore FNAF. Mais Security Breach, c'est le jeu en trop. Vraiment, c'est le jeu qui... Il fait acte de présence quoi, mais il fait rien d'autre, sans déconner. Il est catastrophique. Il est catastrophique. J'aime beaucoup la licence FNAF. J'adore les 5, 6, les 6 premiers jeux, 7. Le 8, il était un peu casse-gueule, un peu buggé, mais ça va. Mais le 9, il n'y a rien à tirer. Hein. À part qu'il soit un peu joli quand il lag pas. Il lag H24. Il n'y a rien à tirer. Il est... En tout cas,
Non, ouais, c'est très répétitif. Il y a juste un gameplay avec des tuyaux en verre qu'il faut remplir, et après, le gameplay des objets à trouver. Il y a des cache-cache à faire avec des objets, et les... Et après, c'est tout le jeu, bah, c'est un couloir, quoi. C'est pas un open world, c'est un petit couloir. Le jeu de base, lui, il avait le mérite d'être un peu open world. Bon, tellement que je me plaignais de me perdre. Mais là, c'est juste un couloir, tu suis le chemin... Bon, bah après, si ça fait plaisir aux gens qui sont fans de FNAF 9, tant mieux pour eux. S'ils sont contents d'avoir un DLC gratuit et tout, bah, je suis ravi. Mais alors, moi, c'est clair que je suis pas le public. C'est du même niveau que le jeu de base, je pense. C'est du même niveau. Ou alors, j'ai un peu oublié le jeu de base et qu'il était vraiment atroce. Mais non, aucun plaisir, aucun amusement. Je le fais parce qu'il faut le faire, mais... Là, FNAF 9 n'est que l'ombre de ce qu'est la licence FNAF, en fait. On n'est pas au niveau des jeux précédents. Hein. Bon. Allez, je vous attends en commentaire pour me critiquer. Au revoir YouTube.